Bonsoir ou rebonsoir, si vous étiez déjà avec nous pour le 9-10, ouais, on enchaîne, on change pas, on est chaud. On est un petit peu en retard parce qu'il a fallu préparer les trucs et que c'était un petit peu plus long, mais voilà, on est de nouveau présent pour suivre le Sudamericano. On va passer donc au Sudamericano U20 après le 9-10. Et on va suivre Brésil, Paraguay. On va pas perdre trop de temps parce que le match est déjà commencé depuis 2 minutes et des brouettes. On va se mettre directement en mode match, hein, concrètement. On va pas faire semblant. Alors, on va faire ceci. On va vous mettre les compos. On va afficher le score. Vous n'avez rien raté, rassurez-vous. 0-0. Je vais lancer le chrono. Hein, si jamais vous n'êtes pas habitué à suivre les lives avec nous, on suit le match en streaming parce que c'est évidemment pas diffusé à la télé française. Donc on suit ça en streaming de mon côté, devant les écrans, on est sur Paraguay-Brésil, vous le voyez. Et donc je vais mettre un chrono qui va me permettre de vous indiquer où j'en suis moi dans le match. Et comme ça, vous pourrez savoir si vous êtes en avance ou en retard. Voilà, le chrono est lancé, il devrait pas tarder à s'afficher. On est sur donc Paraguay-Brésil, troisième journée du Sudamericano. Vous l'avez vu si vous étiez avec nous dans le 9-10. Un Sudamericano qui est dominé par l'Uruguay et par le Brésil, hein, justement. L'Uruguay qui s'est imposé face au Venezuela 4 buts à 1 et qui est donc qualifié pour le tour final. Le Brésil, pour le tour final, pour le mondial, pardon. Le Brésil va donc chercher à rejoindre l'Uruguay pour continuer cette espèce de lutte à distance entre les deux. Et en espérant la finale, hein, ce sont les deux grands favoris de l'épreuve, on l'a déjà dit. Et donc on va voir ce qu'il va en faire. On est sur Paraguay-Brésil et on va retrouver celui qui est au camping actuellement pour suivre la rencontre avec nous, Pierre Gerbeau. Salut Pierre. Salut Nico, salut à tous. Ouais, moi 4 minutes dans mon chrono et vite le jeu est arrêté là. Hein, ouais, le jeu est arrêté parce que le gardien paraguayen est au sol, hein, c'est ça. Hein. Ouais, Gonzalez avait des petits problèmes, j'ai l'impression aux yeux. Depuis là où j'étais placé, mais voilà, ça a repris. Et, donc, ça, et effectivement, le Brésil. C'est un problème à l'œil, hein, effectivement, je te confirme. Moi, devant les images télé, c'est un problème à l'œil. Hein. Ouais, effectivement, le Brésil qui pourrait assurer, comme l'Uruguay, sa qualification pour le mondial en cas de victoire ce soir, même en cas de match nul. Hein. Voilà. Ils auraient tout droit leur billet pour l'Indonésie. Voilà, le mondial qui aura lieu entre fin mai et mi-juin, à peu près. Exactement, et ça serait clairement pas une surprise hein, de les retrouver, ces deux-là. Donc, parce qu'ils sont au-dessus, hein, on l'a déjà dit, ils sont au-dessus de ce Sudamericano, ces deux équipes. Mais attention au Paraguay, hein, qui est, on l'a déjà dit, c'est pas l'équipe la plus spectaculaire du monde. Mais si vous pouvez me permettre l'expression, ils sont chiants à jouer, hein, les Paraguayens. Ouais, ouais, surtout dans leur première phase de groupe, ils avaient été vraiment une équipe très très difficile à manœuvrer. Et c'est fort logiquement d'ailleurs qu'ils avaient la grosse faute. Je veux pas spoiler, mais là il y a grosse faute. Ah, t'as spoilé. Ouais, qui avait fait une excellente première phase hein, à Cali et qui avait fort logiquement arraché son billet. Vraiment très très compliqué à manœuvrer cette équipe et là ils ont vraiment pas confirmé, ils ont explosé contre la Colombie et c'était aussi difficile contre le Venezuela donc voilà, là ils sont dos au mur, ils ont pas de choix hein, s'ils veulent continuer à être bien placés et à se mêler à la lutte pour la qualification mondiale, ils doivent prendre des points ce soir. Ouais, exactement, ils ont plus trop le choix. J'étais en train d'essayer de me chercher un classement à jour. Je vais vous le donner, ce classement, en direct. Parce que donc, je le disais, l'Uruguay s'est imposé. Ils ont 9 points en 3 matchs, 9 sur 9. Ils sont suivis du Brésil qui est à 3 points. La Colombie à 3 points est à 6 points donc, de l'Uruguay, mais à un match en moins, bien évidemment. Le Paraguay compte 1 point en 2 sorties. Le Venezuela aussi et l'Équateur en a 0. Il y a un Colombie-Équateur qui va suivre et c'est important pour le Paraguay parce qu'en cas de, on ne sait jamais, hein, en cas de victoire face au Brésil, ils auraient 4 points sur l'Équateur à 2 matchs de la fin avant le match des Équatoriens. Ils mettraient une grosse, grosse pression sur la trie équatorienne parce qu'on l'a dit hein, dans le 9-10, Uruguay-Brésil vont aller au Mondial. Uruguay, c'est fait, c'est validé. Brésil, ça devrait être le cas. La Colombie est bien partie pour lui prendre la troisième place, voire mieux hein, si jamais. Et derrière, il va y avoir cette lutte à trois entre Paraguay, Venezuela et Équateur pour aller chercher la quatrième place au mondial. Hein, c'est ça, hein, Pierre.
Ouais, c'est ça. Bon, après, moi, je pense que la Colombie allait chercher plus que 3, ce sera compliqué. Hein. Ouais. Mathématiquement, c'est encore possible. Ouais, c'est ton jamais, sachant que la Colombie doit jouer le Brésil jeudi. Donc, ça me semble quand même, voilà, une troisième place, ce serait déjà pas mal. Alors que le stade est un petit peu rempli, hein, mine de rien, alors que la Colombie joue à... Je sais pas si vous l'entendez, mais... Bah après, ouais, sur les images, on voit que c'est en train de se remplir petit à petit. On voit que c'est quand même bien garni. Je sais pas si le Brésil a un potentiel attractif en Colombie. Ils sont vus comment par les gens là-bas? Ça reste une sélection qui attire ou pas vraiment? Non, peut-être Léa éventuellement, mais la U20, non. Par contre, il y a une petite colonie brésilienne. Hein. J'ai vu quelques maillots brésiliens à l'extérieur du stade et là, voilà, ils sont juste en bas, là, voilà, juste derrière les bancs, il y a une petite colonie brésilienne aussi. Donc voilà, il y avait une colonie uruguayenne. Il y avait une colonie uruguayenne. Aujourd'hui, je l'ai dit, alors que là, je t'annonce le premier carton du match. Bah attends, je l'ai pas eu encore, je l'ai dans 20 secondes, moi. T'as 20 secondes d'avance, mec, c'est normal, hein, je vous le rappelle, hein, si vous débarquez, Pierre est au stade. Hein, donc là, pour le coup, il est en avance sur tous les streamings du monde, puisque lui, il a tout ce qu'il y a sous ses yeux, tout se passe sous ses yeux. Re-Red le Rouge, voilà. Re-Nostromo, hein, parce qu'on sait que vous étiez avec nous lors du 9-10. Si le Brésil joue comme ça au Mondial U20, ils feront clairement partie des favoris. Et surtout qu'en plus, c'est ce qu'on disait un petit peu l'autre jour, on peut imaginer qu'au Mondial U20, ils auront des joueurs comme Hendrick qui seront présents. Il y avait plusieurs absents hein, côté brésilien, mais on peut imaginer que des gamins comme Hendrick seront au Mondial de la catégorie. Hein. Autant sur un Sudamericano, Palmeiras arrive à le retenir. Autant sur un mondial, ça va être plus compliqué. Ouais, je pense qu'au mondial, il y aura déjà beaucoup plus. Déjà, c'est fait de la FIFA, donc je suis même pas sûr que les clubs puissent retenir les joueurs. Et ensuite, je pense que de toute façon, il y aura plein de joueurs qui voudront discuter. Ah bah but brésilien. Voilà. But brésilien. Bah ouais, voilà. Oui. Alors c'est Giovanni qui a marqué, c'est ça, hein, au deuxième poteau, ouais, qui reprend le ballon de la tête au deuxième. S'il nous tue le suspense d'entrée, les Brésiliens, ça va pas le faire, les gars. Voilà, donc première action brésilienne. Hein. Voilà. Et ça fait déjà un 0. Et action qui n'en est pas vraiment une, hein, parce que c'est un centre qui est assez long quand même, parce qu'il est à 25-30 mètres. Et oh là là, la défense paraguayenne, c'est du 1 pour 1. Et Giovanni, il est tout seul au deuxième poteau. Il a plus qu'à se jeter et conclure l'affaire tranquillement. 1-0 Brésil, messieurs dames. Bon voilà, ce match est lancé. Exactement. Et pour répondre à ce que tu dis, Nostromo, bah, apparemment Pierre a dit que c'était une fecha FIFA, hein, la Coupe du Monde de la catégorie. Il me semble. Je suis pas sûr que chez les U20, ça soit des fecha FIFA, mec. C'est Coupe du Monde de la FIFA. Donc j'imagine que c'est bloqué. Et pour répondre à la question de Red Le Rouge, est-ce que ça va être cette équipe du Brésil qu'on verra aux Jeux Olympiques? Bah là, ce sera la même question. Ça va être oui ou non. Probablement qu'elle sera avec des hommes en plus. Et évidemment, on pense à Hendrick, mais on pense aussi à d'autres absents dont je viens de tuer les noms. Non, mais déjà Hendrick, ça fait une grosse différence. Déjà Hendrick, ça fait une grosse différence. Mais voilà. Oui, évidemment. Mais je pense qu'en mai-juin, il faudrait regarder, j'ai pas le calendrier en tête sur la Libertadores, à savoir si en mai-juin, la Libertadores, à quel niveau elle sera, pour voir si justement Palmeiras peut lâcher un peu ses joueurs, si jamais ce n'est pas une fecha FIFA. Alors après, si c'est véritablement une fecha FIFA, là j'avoue que j'ai un doute, ça change tout, hein, parce que là pour le coup, on imagine que le Brésil enverra du monde, hein. On verra du très très lourd. Il manque pas mal de mecs, hein. Il manque Angelo, Marcos Leonardo qui était à Santos, il manque les mecs de Flamengo aussi, Victor Hugo ou Matheus França. Il manque beaucoup de monde, hein, côté Brésil. C'est ça qui est dingue en plus dans cette équipe, parce qu'on rappelle, il y a quand même deux U17, hein, dans l'équipe brésilienne, hein. Oh, attention à la frappe paraguayenne derrière. Ouais, la frappe de Gomes, hein, qui est passée à côté. Ouais, dans le U17 il y a notamment Pedrinho, hein, qui a marqué. Exactement. contre le Venezuela, ça fait une très bonne entrée, très bonne impression. Voilà, donc ça montre le réservoir qu'il y a dans cette sélection.
Oh, bel accent, Pierre, bravo. Je vois que ça travaille, je vois que ça travaille, l'accent portugais. Ouais, j'essaye de progresser. Mais voilà. Tu vas pouvoir commenter des matchs du Corinthians avec moi, non? Pas encore, on verra. Demande à Marcelin qui sera plutôt plus spécialiste que moi. Mais voilà, pour revenir au réservoir brésilien, ça montre quand même que cette sélection a toujours eu quand même un gros réservoir, et là c'est encore le temps. Voilà, sur Sudamericano, ils sont vraiment, on l'a dit dans le même titre, ils sont vraiment au-dessus de tout le monde, et là, voilà, là 1-0 après un quart d'heure de jeu, sans trembler, en efficacité maximale. Il y a un côté, c'est un parallèle qu'on peut faire entre le Brésil et l'Uruguay, pas tant sur le réservoir, hein, parce que forcément, il n'y a pas photo en termes de nombre et de joueurs de qualité, mais sur la façon dont ils gèrent les matchs dans ce Sud-Americano, ces deux équipes qui quand même prennent très très vite le contrôle de leur rencontre. Hein. Bon, l'Uruguay a été mené au score ce soir, mais tout de suite, ils ont été menés au score, c'est ça, hein, ce soir, l'Uruguay. Non. Ils ont aussi mené au score, oui, j'ai dit n'importe quoi. Donc, c'est des équipes qui prennent le contrôle très vite, généralement. Ouais, c'est ça, et qui ne sont pas en danger. Et puis, voilà, l'Uruguay, tout à l'heure, ils mettent une minute à marquer le deuxième but après l'égalisation vénézuélienne. Hein. C'est quasiment sur le coup d'envoi. Donc, c'est des équipes vraiment très, très compliquées. Voilà, qui a joué dans le sens où ils te laissent vraiment rien espérer. Hein. C'est des véritables machines, des rouleaux compresseurs. Et c'est pour ça que c'est très très compliqué. C'est très très compliqué de les arrêter. Ok, je vois que le son du stade est trop fort. Je vais le baisser un petit peu. Vous me dites si c'est bon dans le chat. Je viens de bouger les choses. Vous me dites si ça va. Merci Red le Rouge de me l'avoir signalé. Tu me dis si ça va. J'ai monté un petit peu mon son micro et j'ai baissé un petit peu. Pierre, je l'avais monté un petit peu parce que je l'entendais pas bien dans le casque. Enfin, je trouvais le son du stade très fort aussi. Donc, tu en m'entends ouais, en fait. Merci Red le Rouge. Ouais, vas-y Pierre. Ouais, pour compléter pour Red le Rouge, en fait, les tribunes du camping, c'est assez compliqué dans le sens où il n'y a vraiment pas de séparation entre la tribune de presse et les supporters. Donc, pour la table, je me suis mis à deux tables à côté de moi, c'est vraiment les supporters. Donc il y a quelques vuvuzela et quelques sons qui sont vraiment très 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 proches. Donc voilà, l'ambiance du stade est chouette, on s'y croirait. Bah écoute, quand on peut être en direct du stade, voilà, hein, et sur les lives, quand on peut vous faire ça avec quelqu'un qui est présent dans le stade, ça ira encore mieux, évidemment. C'est vrai qu'on entend bien l'ambiance. C'est vrai qu'il y a de l'ambiance quand même, hein. On ne s'attendait pas à autant d'ambiance dans ce type de match. Bah ouais, après, je ne sais pas, c'est pour ça que je me posais la question sur les autres Sudamericanos, s'il y avait autant de spectateurs, même avec le public haute, avec la nation haute, Au Chili, je n'ai pas l'impression qu'il y avait autant de monde. Ouais, bah c'est pour ça que là, il y a vraiment. Alors la Colombie joue tout à l'heure, hein, mais. Et ça va se remplir petit à petit, mais ouais, là ils sont là, il y a à peu près 20% du stade qui est rempli, et ils mettent déjà un petit peu d'ambiance, ils réagissent aux différentes actions, aux coups de sifflet, etc. Ils sont vraiment pas spectateurs, ils sont un peu plus supporters. Et on va suivre cette offensive brésilienne avec Vitor Roque qui va frapper contré. Ça va revenir, on est en train de s'installer tranquillement. Ils sont déjà en gestion, c'est terrible. Un quart d'heure de jeu, ils sont déjà en gestion, les Brésiliens. Ouais. C'est terrible, hein. C'est terrible la différence. Hein. Ouais, bah, y a deux mondes d'écart, hein, clairement, entre les deux. Voilà, et t'as pas cité les compos ? Non, effectivement. Vas-y. Et juste un petit changement, plusieurs changements, mais il y en a un notoire dans cette équipe paraguayenne, c'est notamment sur l'attaque de pointe. Puisque Alan Wilke était là contre la Colombie, il est sur le banc ce soir. Et ça joue un petit peu parce que Wilke, c'est un attaquant qui est quand même physiquement assez impressionnant, qui prend beaucoup de place, qui peut garder le ballon de but. Et là ce soir, c'est Olmedo qui a sa place et on a du mal à le trouver. Wilke, l'autre jour, j'ai fait cette comparaison-là. C'est un peu un profil à la Oscar Cardozo, je trouve. Donc, ouais, un petit peu, ouais.
Ouais. Donc c'est exactement un peu ce profil-là. Et je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est le premier match qu'il ne débute pas dans ce Sudamericano. Et il me semble aussi, ouais. Mais après, le camp est tellement infernal qu'à ouais, un moment donné, c'est pas des machines de guerre non plus, mais voilà. Et donc, dans les buts, on va commencer par le Paraguay. González dans les buts, Cebrina gauche, Cantero Flores dans l'axe, Nunez à droite, Quintana Gomez au milieu et devant González. González qui à gauche, hein, ça permet beaucoup d'ailleurs côté paraguayen, même avec Olmedo dans l'axe, là c'est par exemple González qui est en pointe. Évidemment, Segovia en 10, l'excellent, le génialissime. Très bon joueur. Ouais. Et Gauto à droite. Voilà, alors que là il y a une petite offensive brésilienne. Et côté brésilien, on l'a dit, Michael dans les buts. Arthur à droite, Jean Robert dans l'axe, Patrick à gauche, André Marlon Gomez au milieu, Giovanni à droite, Alexander à gauche, Guillermé Biro en 10 et Victor Roque en pointe. Voilà. Voilà. Voilà pour les compos, et on le rappelle, un Brésil qui mène 1-0 déjà. Avec ce but de Giovanni, attention, un nouveau centre, un nouveau joueur au second poteau. Et Angel González qui a surgi pour intercepter ce ballon. Il va quand même falloir se méfier côté paraguayen. Ça laisse beaucoup d'espace dans le dos là. Ouais, il va falloir vraiment resserrer les rangs, parce que sinon ça va tourner vite à la correction. Hein. Là, le Brésil avait vraiment accéléré en deuxième période contre le Venezuela. Ça avait fait très mal. Là, s'ils décident d'accélérer, si le Paraguay ne sert pas mieux que ça derrière, ça va être la valise aussi. Hein. On rappelle, il va y avoir aussi cette notion, on parle beaucoup de cette notion de gestion, mais vraiment, on insiste sur cette notion de gestion. On est sur l'hexagonal final. Ils ont 5 matchs à disputer en 12 jours, concrètement. Ouais, ça commence. C'est ça, ça a commencé le 31 janvier et ça se termine dimanche, le 12. Exactement. Donc, ils ont tout ça à gérer. Ils ont ce calendrier complètement infernal à gérer, sachant qu'il y a eu avant une phase de groupe, hein, une phase de groupe où ils ont joué 4 matchs en 10 jours aussi, je crois. En 10 jours. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc on se retrouve avec 9 matchs en 22 jours. Pour des gamins de 20 ans, de moins de 20 ans. Voilà, ça vous donne une idée du truc, hein, de ce qu'est un Sudamericano. C'est totalement fou, en fait, pour dire les choses. Ouais, le rythme est assez dingue. Hein. Et il faut savoir que c'était deux groupes de 5 à la première phase, donc il y avait une journée où tu étais, entre guillemets, exempté de match. Là, oui, c'est vrai. Pas le cas à 6, c'est à 6, donc là ça joue tout le temps, et c'est assez dingue comme rythme, surtout pour des gamins. Ouais, c'est ça. Et encore, c'est ce qu'on disait un petit peu l'autre jour, mais on est bon en plus. Ah, oui, non, enfin, j'allais dire, et encore, il y a la météo où il fait pas encore une chaleur folle, parce qu'on est à Bogota, il fait jamais une chaleur folle à Bogota, hein, c'est ce que tu nous disais l'autre jour. Mais là, en altitude. Voilà, c'est ce que j'allais dire. La deuxième lame, c'est qu'ils sont en altitude. Alors, l'avantage, c'est que l'altitude, hein, plus tu restes, plus tu t'y fais, hein, c'est ça. Hein. Est-ce que tu arrives à t'y faire sur 10 jours? Si, mais après, c'est toujours pareil. Sur les efforts, c'est quand même compliqué. Même si tu y arrives sur 10 jours, ça reste des efforts et c'est toujours compliqué. Hein. Même moi, après 7 ans et demi, quand je fais du vélo ou tu fais un peu de footing à la salle de sport, tu n'as pas le même souffle que quand tu n'es pas en altitude. Hein. Ouais, mais alors attention, Pierre, parce que voilà, pour une fois que je peux le faire et que d'habitude, c'est pas à moi qu'on le fait, tu as plus 20 ans, Pierre. Non, j'ai plus 20 ans. Mais je suis pas si vieux que ça. Non, j'ai pas donné ton âge, hein, note. Mais voilà, pour répondre à ta question, Nostromo, c'est un sprint. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas avoir privilégié la formule choisie pour la dernière Copa América, ou pour une Copa América senior, en fait, concrètement. Écoute, c'est une bonne question, mais je sais qu'ils aiment bien cette formule avec l'hexagonale finale qui envoie 4 des 6 à la Coupe du Monde. On pourrait tout à fait imaginer que
On pourrait tout à fait imaginer qu'ils fassent une qualif avec, avec des quarts, avec des quarts de finale. Et en gros, ceux qui se qualifient pour les demi-finales jouent le mondial. Et je sais pas pourquoi ils ont choisi. Tu sais pourquoi ils ont choisi ça, Pierre, cette formule hexagonale ou... J'avoue, je sais pas. Non, je sais pas non plus. Parce que ça fait un moment qu'on se la cogne, hein, cette formule, hein, pour dire les choses. Ouais. Après, c'est. Alors qu'il va y avoir un changement, hein, côté brésilien. Ah ouais, déjà. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est Ronaldo qui va rentrer. Mais tout à l'heure, je ne sais pas si tu as vu les images. Il y avait Giovanni qui se faisait soigner voilà, sur le bord du terrain. Donc, on va voir si c'est lui qui sort ou pas. Mais non, après, l'hexagonal, ça permet de faire. C'est un championnat. Voilà, ça permet de faire beaucoup de matchs. Voilà. Il pourrait effectivement faire quart de finale avec les quatre de chaque groupe, mais tu pourrais faire la formule Copa América Senior. Tu fais tes groupes habituels. Derrière, tu envoies un quart de finale. Les qualifiés pour les demi-finales se qualifient pour la Coupe du Monde. Et ensuite, pour définir les trois premiers qui vont aux Jeux panaméricains, c'est assez simple. C'est avec le match pour la troisième place. Et puis voilà. Ouais. Ça pourrait, alors que je te confirme, hein, c'est bien Giovanni qui sort. J'ai l'impression qu'il était un peu touché au mollet. Il y avait le staff médical qui lui mettait de la bombe magique là, sur le mollet, sur le haut de la cheville. Donc c'est bien lui qui est sorti. Hein. Et c'est Stenio qui entre à sa place. C'est ça. Stenio. Et là, il y a une. Faut vraiment qu'il serre derrière le Paraguay parce que sinon ça va être très très compliqué. Hein. Ouais. Ouais. Là, il y a quand même peu d'intensité défensive qui est mise côté paraguayenne. Alors que ça avait été l'une de leurs forces, hein, sur le premier tour, mais c'est peut-être aussi l'effet. Oui, effectivement, le ballon qui vient de passer, Biro qui a raté sa reprise. C'était une de leurs forces, hein, sur le premier tour. C'est pour ça que je disais que c'était une équipe extrêmement pénible à jouer parce qu'extrêmement équilibrée, laissait peu d'espace, concédait peu d'occasions. Assez efficace offensivement aussi. Là, il y a des espaces de partout, mais c'est peut-être aussi un effet, hein, véritablement de ce calendrier. Ça commence à peser. Ça peut être ça, hein, très clairement. Ah oui, je pense que ça joue. Encore une fois, l'altitude, mine de rien, ça joue aussi parce que c'est compliqué de répéter les efforts. Donc, il y a plusieurs facteurs. Effectivement, le calendrier plus altitude. Voilà, c'est compliqué de maintenir une grosse pression, une grosse intensité sur tous les matchs. Donc voilà, ça va commencer à tirer la langue côté paraguayen. Et puis il y a peut-être l'idée aussi de garder des forces pour peut-être le dernier match qui pourrait être décisif, l'avant-dernier. Pour le Paraguay, ouais. Ouais, ouais. Voilà, donc, en partant, en se disant que le Brésil et l'Uruguay vont rouler sur tous les autres. C'est une stratégie aussi. Mais attention, hein, attention, ça peut être extrêmement dangereux. Si l'Équateur bat la Colombie tout à l'heure, voilà. Ouais, bah c'est serré. Ah, je pense que les Paraguayens ont vu la Colombie qui a quand même vraiment déroulé. Peut-être ça sera la même contre l'Équateur, mais ouais, en tout cas, c'est de la totale gestion, là, côté brésilien. Ouais. Ça risque d'être long. Si le Paraguay ne parvient pas à enflammer ce match, ça risque d'être très long pour eux, hein, dans cette histoire. Ouais, si. 25 minutes de jeu, but à zéro pour le Brésil, qui est en gestion, hein, malheureusement. Alors, c'est pareil, hein, si vous avez les images, on va vous le rappeler, hein, les images, il faut chercher un stream, hein, les amis. Soit un stream illégal, hein, il n'y a pas le choix. On ne vous donnera pas de lien, hein, on ne peut pas, hein, parce que vous comprenez que voilà. Soit des solutions légales, hein, on vous le rappelle, hein, Fanatiz permet de suivre le Sudamericano U20. Voilà, c'est une appli aussi, hein, vous pouvez, si vous avez une télé connectée. Non, il faut que j'emploie les termes actuels, une Smart TV. Vous pouvez utiliser l'appli Fanatiz, ça fonctionne. Enfin, en ce moment, ça ne fonctionne pas. Hein. Moi, j'avoue, je l'utilise, mais ça ne fonctionne plus sur la télé. Il faut que je vois quel est le problème. Mais voilà, vous pouvez suivre les matchs du Sudamericano U20. Et ça coûte 10 euros par mois. Et apparemment, il y a une offre à 65 euros à l'année. Donc vraiment, ça vaut le coup si vous aimez le foot sudam, parce qu'il y a l'Argentine, le Brésil, la Colombie, le Pérou. On en a parlé dans le 9-10, hein, si jamais ça joue. Mais il y a le Pérou. Et vous pouvez vous amuser d'ailleurs à voir, parce que les matchs sont tous disponibles en replay.
Si vous l'avez, vous pouvez vous amuser à voir les matchs de la première journée qui étaient proposés sur, sur Fanatis de la Ligue péruvienne, et vous verrez les, bah, vous verrez les équipes qui se présentent, qui se présentent avec, avec ou sans adversaire. C'est assez rigolo ou pas. Mais voilà, mais vous pouvez suivre ces compétes-là. Et donc voilà, je le rappelle, vous avez le chronomètre qui est affiché en dessous de moi, qui vous permet de savoir où j'en suis moi, sachant que Pierre, depuis le stade, lui n'a pas besoin de regarder sur un stream et largement en avance. Forcément, sur moi, il y a un Brésilien qui se roule par terre au sol. Ça discute un petit peu. Ouais, c'est pour ça que... Ouais, c'est arrêté là. C'est Marlon Gomez qui est au sol. Ouais. Côté brésilien, on est venu... C'est Quintana qui lui a mis une boîte. J'ai l'impression, et j'ai l'impression que ça a brassé sur Olmedo, pardon. Voilà, on est venu un peu lui demander, lui régler quelques comptes. Donc, ouais, en tout cas, l'arbitre n'a rien vu. Hein. Il a rien sifflé. Et je te rassure, on n'a rien vu non plus parce que... Ah si, ça y est, voilà le ralenti. Ouais, c'est un coup de coude. Alors en fait, c'est un coup de coude d'Olmedo. Mais ouais, c'est pour ça. Sur le ralenti, très franchement, il n'est pas si violent que ça. Alors après, c'est toujours attention aux effets du ralenti. Mais voilà. Ouais, non, mais c'est pour ça qu'on est venu réclamer à Olmedo. C'est pour ça que ça s'est un peu embrouillé. Ça s'est un peu chauffé sur le côté là. Mais voilà, on rappelle, hein, il n'y a pas de VAR de toute façon. Non. Et puis alors, allez, très honnêtement, pour avoir vu le ralenti, je sais pas si vous avez des écrans de contrôle en tribune de presse là ou pas ? Non. Bon alors voilà, pour avoir vu le ralenti, il n'y a pas grand-chose. Si tu veux que je te décrive la tribune de presse, d'ailleurs ça me donnera l'occasion de te raconter une anecdote, c'est une table. Ouais, je viens d'avoir le poteau de bureau pendant ce temps-là. Voilà, que je t'ai pas spoilé, hein. J'ai fait ouais. J'ai fait attention. C'est une table en bois et avec deux chaises en plastique et qui sont un peu surélevées sur une espèce d'estrade. Et d'ailleurs, vendredi, on a failli avoir un accident, mine de rien, assez qui aurait pu surprendre. Parce qu'il y a eu une estrade, hein, juste derrière moi d'ailleurs, qui s'est effondrée. Et les deux journalistes ont été bien surpris. Ils se sont retrouvés un petit peu penauds. Et ça va, heureusement, on a rapidement évacué le matériel abîmé. Non, il n'y a pas d'écran de contrôle, il n'y a rien du tout. Ils ont mis une estrade dans les tribunes. Ouais, bah c'est un peu soulevé en fait. C'est un peu compliqué, mais expliquer. Mais disons qu'il y a un gros gap entre le sol en béton et la table. En fait, donc ils ont surélevé les tables avec des espèces d'estrades en bois. Enfin, c'est plutôt du bois un peu mâché. Hein. Et donc c'est pas hyper solide, c'est pas hyper stable. C'est vraiment à l'arrache. Donc, les écrans de contrôle, faut oublier. Et on a le Wi-Fi qui marche et c'est déjà une belle avancée. C'est déjà pas mal d'avoir le Wi-Fi dans un stade en Âme Sud parce que c'est pas forcément toujours le cas. Et c'est déjà bien qu'ils vous donnent les codes aussi parce que parfois il y a du Wi-Fi mais on vous donne pas les codes. Donc voilà. Après, on dit en Âme Sud, expérience personnelle, le Wi-Fi à Rennes, c'est pas fou. Hein. Donc voilà. Ouais, alors que là aussi c'est arrêté parce qu'il y a un Paraguayen qui se fait soigner sur le bord du terrain. Ouais, qu'il y a eu une tentative. On a eu le centre, hein, il ne trouve personne. Ouais, qu'à filer devant le but. Exactement. Qu'à filer devant le but, hein. Il n'y a pas de présence dans la surface. Mais non, en plus, je t'avoue que c'était assez nouveau hein, parce que pour avoir fait déjà des tribunes de presse en championnat, il n'y avait pas du tout de wifi. Donc voilà, là, le fait qu'il y ait du Wi-Fi pour ce Americano, c'est une agréable surprise pour moi. Et il fonctionne plutôt pas mal. Effectivement, et ça nous permet donc d'en profiter aussi. Ça nous permet d'en profiter pour être avec toi depuis le stade et vous avez droit à cette ambiance. Et on le rappelle, une demi-heure de jeu passée maintenant, hein, 31, même 32e minute qui arrive. Et donc toujours ce score de 1-0 pour le Brésil. Qui gère tranquillement et on va remercier Fla de son follow à l'instant, peut-être pour rappeler le deuxième but brésilien, qui sait.
avoir le centre. Le voici, et non, ça va filer très loin en sortie de but pour le Paraguay. Pas un match avec un gros rythme. Il faut dire qu'on n'est pas aidé par le but précoce du Brésil, hein, on ne cesse de le dire, hein, qui contrôle sa rencontre, qui contrôle son énergie aussi, hein, parce qu'il reste, il restera deux matchs derrière pour les Brésiliens, et non des moindres. C'est compliqué, hein, pour te donner mon impression vu du stade. C'est quand même très très compliqué pour le Paraguay. On ne voit pas notamment Segovia entre les lignes, ce qui fait que c'est quand même très très compliqué de relancer proprement et d'apporter le ballon dans le camp adverse tout simplement. Exact. Il n'y a pas de relais au milieu. Segovia est complètement isolé et il n'y a pas de point d'appui, point d'ancrage devant. Donc c'est compliqué dans tous les sens du terme en fait. Ouais, ça fait beaucoup, hein, et c'est pour ça que malheureusement, il y a totale gestion du Brésil. On voit pas à part des changements tactiques un peu miraculeux, mais on voit pas vraiment comment le Paraguay peut être dangereux. Parce que là, il y a hors-jeu. Voilà, l'arbitre final, mais là, c'est compliqué, hein, c'est un peu à la kick and rush, on essaie d'envoyer des gros ballons devant. Ouais, mais c'est ça. Mais le problème, c'est que t'as pas de point d'ancrage devant. Voilà, t'as pas Willeke devant qui peut te garder un peu le ballon, qui peut faire quelque chose, en fait, tout simplement. Donc, c'est très, très, très compliqué pour le Paraguay. Même s'il n'y a que 1-0, on le rappelle. Hein. Il n'y a que 1-0, il y a eu deux occasions, hein, brésiliennes, le but et le poteau de Biro. Donc... Voilà. En termes d'efficacité, le Brésil est pas mal. Hein. Ouais, le poteau, vraiment, on est passé pas loin du poteau rentrant. En plus. Ouais, exactement, parce que le ballon a roulé après devant le but. Coco Winit qui nous demande si on connaît un autre Sébastien Quintana. Écoute, je sais pas à qui tu penses. Il me semble que... Ah, comment il s'appelle ? Je me sens que c'est son deuxième nom. Le gars qui joue au Qatar. En Colombie, je ne sais pas. Mais en Colombie, on connaît Nairo Quintana, mais c'est un autre sport. Ah, il y avait un mec, un international qatari, mais d'origine. Voilà, Soria, merci. C'était à lui à qui tu faisais penser ? C'est à qui tu pensais ? Ben voilà, Soria, Sébastien Soria. Époque où le Qatar naturalisé. La première époque où ils ont cherché à naturaliser avant justement de se tourner vers la Spire Academy. Donc voilà, on en a déjà parlé sur Hello dans des émissions et dans des papiers. Ouais, d'ailleurs, le Qatar, je ne sais pas si tu as vu Nico qui a annoncé son nouveau sélectionneur. Non, j'ai pas vu. C'est qui ? Ah, une vieille connaissance passée par la Colombie il y a peu. Bah, ça parlait de Queiroz à un moment, c'est lui ? Ah ouais, c'est lui. Voilà. C'est Carlos Queiroz qui a été nommé sélectionneur du Qatar aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, ok, bah voilà. Ah, écoute, on va voir. Ah, ça va être intéressant de voir l'après, hein, côté Qatar. Parce qu'on en avait parlé, hein, il y avait ce projet qui a été avec le point culminant que fut la Coupe d'Asie, avec les limites, hein, qu'on avait données. On est plusieurs à l'avoir dit, hein, sur Hello que ce Qatar a été prêt trop tôt, en fait. Par rapport à son projet Coupe du Monde 2022 et que l'équipe qui s'est présentée en 2022, elle était plutôt en fin de cycle. Ouais, malheureusement elle était vraiment dans une situation en plus de presque de peur, en fait. Ils ont abordé ce mondial avec la peur au ventre. C'est toujours le même problème, c'est-à-dire que c'est des choses que l'on répète souvent quand on fait des présentations de compétitions de ce niveau-là pour des sélections qui, par exemple, les découvrent, comme c'était le cas du Qatar, ce qu'on appelle la gestion de l'émotion. Et ils ont été complètement engloutis par la gestion, l'aspect émotionnel du match d'ouverture, qui en plus a été raté. Donc, ça a été... Ça fait beaucoup, beaucoup trop pour cette sélection-là. On va suivre, il y a un corner pour le Paraguay. On reviendra, si vous voulez, hein, parler du Qatar après. Le corner donne pour l'instant deuxième poteau. On est côté droit. Va-t-il pouvoir centrer Alan Nunez, le voici. Ça ne va pas être repris, peut-être à l'entrée de la surface. Ah, ça revient très vite côté brésilien. Ça a fermé tout de suite. Et on va peut-être même obtenir la faute pour pouvoir se dégager tranquillement.
Et à entendre le stade, il va se passer quelque chose, les amis. Tu peux demander aux gens d'attendre 20 secondes avant de réagir? Ouais, attends, je descends prendre le micro. Non, d'ailleurs, elle est juste derrière moi. Ouais, voilà, fais quelque chose, ouais. Avec le gars du stade, ouais, je vais demander de passer la messe. Ouais, vas-y, essaye de faire passer le message comme quoi ça serait bien qu'ils mettent un petit délai de 20 secondes avant de réagir à une action. Ouais, parce qu'en fait, l'action va être paraguayenne avec l'ouverture côté droit. Va-t-il pouvoir centrer? Oh, il y a main! Oh, elle a été détournée, et Michael, parade énorme! Il n'y a pas main de Renan? Bah écoute, moi je vois main et c'est ce qu'a demandé la défense paraguayenne. Et on va attendre le ralenti, mais belle occasion en tout cas pour le Paraguay avec ce ballon détourné par Robert Renan, me semble-t-il. Et Michael encore, hein. Toujours décisif dans les moments où il faut, ce gardien. Ah ouais, ouais, incroyable, hein, parce que là, le réflexe est quand même assez dingue. Hein. La balle, elle est déviée, en plus, elle va quand même assez vite. Elle est déviée devant lui, il fait manchette au premier poteau. Exactement. C'est assez exceptionnel. Ah, on va suivre le corner. On n'a toujours pas eu le ralenti, hein. Corner de Segovia. On l'aura peut-être après le ralenti, le corner, et ben ça va donner corner de l'autre côté cette fois-ci. Est-ce que Segovia va traverser le terrain pour aller le jouer de l'autre côté? Il me semble que c'est Patrick qui a mis ce ballon de la tête en corner à nouveau. Allez, une petite possibilité peut-être pour les Paraguayens d'aller se montrer dangereux. Et le Paraguay qui était un peu mieux hein, depuis quelques minutes. Et il n'y a pas de secret, hein. Là, l'action... L'action, elle intervient grâce à une récupération très haute. Hein. Le Paraguay récupère à 25 mètres du but. Donc voilà, il n'y a pas de secret. Ouais, ils arrivent à rester encore assez haut. Segovia à nouveau. Va-t-il pouvoir armer le centre? Oui, la balle qui erre à l'entrée de la surface, elle va être probablement dégagée par les Brésiliens. Peut-être une possibilité de contre avec Stenio. Attention parce que c'est presque du 1 pour 1 au niveau de l'action là avec Biro. Si ça ouvre côté gauche, ça va être dangereux. Non, ça a été contré. Et on va se projeter. Non, on va pas se projeter côté paraguayen. C'est bien joué ça, c'est bien joué. Avec Diego Gomez, l'un des maîtres à jouer de cette équipe. C'est ouvert côté droit. La frappe à venir, la voici! Michael encore, tranquille. Très très bon hein, ce gardien. Ouais, vraiment. Excellent gardien dans tous les sens du jeu parce qu'il est pas maladroit avec ses pieds et il a fait des réflexes assez incroyables, même contre le Venezuela. Ouais. En fait, dans les moments clés, il fait les gestes qu'il faut. Hein. Sur les temps faibles brésiliens, et c'est lui qui tient l'équipe. Hein. Ouais, contre le Venezuela, il fait un arrêt vraiment exceptionnel. C'était sur la tête de une tête de kill si hein, de mémoire et il fait un arrêt vraiment pareil incroyable au sol, il va très vite, c'est vraiment un excellent gardien. Je serais pas surpris de le voir arriver comme troisième gardien dans les futures sélections brésiliennes. Et on va remercier Cassette Radio pour le follow, sympa le pseudo. Et le Paraguay qui est nettement qui est très bien là. Ouais, ils sont vraiment beaucoup plus hauts, beaucoup plus compacts. Là, il y a à peu près une vingtaine de mètres hein, entre les deux, le bloc, hein, tout simplement, entre les deux extrémités du bloc. C'est vraiment une fin de première période totale paraguayenne. Ah, ils sont installés dans le camp brésilien depuis quelques minutes. Ouais, et pour en revenir à Michael, pour en revenir à Michael, je me demande même si c'est pas le gardien du Sud-Americano. Hein, Ouais, je pense. J'aime beaucoup Gilles Marnapa côté Équateur, mais bon, quand même, hein, Michael a tellement, tellement tenu. Oh, bien joué ça de la part d'Alex Cantero. Qui nous a envoyé du double contact pour passer, mais attention parce qu'il y a un contre possible avec Victor Roque. Un contre un, va-t-il pouvoir se servir de l'appel? Ça a été détourné, ça va être dégagé plus ou moins. Ça va revenir sur Stenio qui va prendre le temps. Mais ouais, Michael, hein, peut-être le gardien de ce Sudamericano. Hein. Ouais, avec Randall. Ouais, même si, bon. Peut-être ouais, moins décisif, moins autant décisif que Michael, je trouve, Randall Rodriguez. Ouais, exactement. Parce que le Uruguay a moins concédé aussi. Hein.
aussi, et juste là, pour la parenthèse, il y a le staff brésilien hein, qui est à les deux rangs en dessous de moi, et il y a des supporters qui se prennent en photo avec le staff, c'est assez drôle, voilà, avec les analyses vidéo. Voilà, c'est assez sympa. Et ouais, beaucoup plus agressif, hein, le Paraguay en cette fin de première période, beaucoup plus dangereux. Voilà, c'est ce Paraguay-là hein, qui pourrait inquiéter, qui pourrait espérer quelque chose. Alors que là, il y a un photographe, je pense. Ou alors, il a réussi à... assez cocasse là sur un gros dégagement paraguayen. Ça a dégommé un photographe derrière les buts. Elle était contrée, ce sera corner, mais ouais, ça assez cocasse. On a entendu le bruit dans les tribunes, ça a fait Et ouais, il reste 1 minute 30 hein, pour moi dans cette première période. Je viens d'avoir le gros dégagement. Alors effectivement, obtenir un corner de la sorte, c'est très fort. Parce que le mec, il est dans ses 30 mètres. Ouais. Hein. Ah ouais, il a fait un gros dégagement. Et puis ça a vraiment fait un gros bruit derrière. Ça. Je ne sais pas si un photographe a été touché ou si c'est juste une chaise qui a volé. Mais... Et il n'y a peut-être pas main hein, de Robert Renan. On vient d'avoir le ralenti. J'ai la sensation sur le deuxième qu'en fait, ça lui touche le torse. Pour répondre à la question de tout à l'heure. Avant le corner de Mathias Segovia, là, on va voir ce que ça va donner. Avec son pied gauche, c'est enroulé vers le deuxième poteau. Récupération Biro, qui va temporiser parce qu'il est un peu seul. Bien joué. On est en fin de première période, vous le voyez sur le chronomètre. 43 passés, bientôt 44. Et le Paraguay qui est mieux sur cette fin de première mi-temps, mais qui s'est procuré une belle occasion avec cette frappe contrée. Ouais, mais c'est déjà pas mal. Hein. C'est ouais. Déjà mieux que sur les 35 premières minutes de la première période. Là, après, le Brésil met pas un gros rythme. Hein. Non, ils mettent pas un gros rythme, mais voilà, mine de rien, il y a que comme ça hein, qu'on pourra. On pourrait espérer quelque chose côté paraguayen. Ouais, peut-être voilà. Ce dernier débordement, non, c'est contré. Bientôt la fin du premier acte. 1-0 Brésil face au Paraguay. Je ne sais pas si vous avez entendu le speaker là. Mais... Non. Voilà, il y a un carton jaune qui... Qui va arriver côté brésilien, le deuxième de la rencontre. Ah oui, à l'instant, pour cette faute de Jean Pedroso, me semble-t-il. D'ailleurs, il va peut-être falloir que je les mette, les cartons, parce que ça peut compter. Donc, je vais vous les indiquer. Et vous l'avez entendu, il y aura 2 minutes de temps additionnel. Voilà, dos minutos de addition. Pour ceux qui n'ont pas fait espagnol à l'école, ça veut dire 2 minutes de temps additionnel. Ah, je pense que c'est compréhensible. C'est pas de l'espagnol compliqué, je pense. Ah, c'est de l'espagnol assez transparent. Effectivement. Allez, coup franc à venir pour le Paraguay. Ce ballon a filé en corner. La dernière. Pour les Paraguayens, sur cette première période, probablement hein, la dernière, parce qu'on a mangé 1 minute sur les 2 de temps additionnel. On va le suivre, ce corner. Le voici tiré très très loin au deuxième poteau. Alex Cantero qui récupère, qui va tenter d'enrouler du droit, ça va sortir. On va prendre son temps, je pense, côté brésilien pour le jouer, celui-là. Et on va probablement rentrer au vestiaire sur ce score de 1-0. Ouais, il a tenté l'enrouler, là. Cantero, c'était bien vu, mais compliqué quand même à réaliser. Hein. S'il la met, c'est quand même un but exceptionnel. Ouais,
et je ne sais pas si vous l'avez entendu derrière moi, mais c'est la pause. Ouais, ça l'est pas encore tout à fait chez nous, mais ça va l'être effectivement. On vient de revoir, j'étais en train de revoir le ralenti du seul but de cette rencontre pour l'instant. Pas forcément foufou l'intervention d'Angel Gonzalez hein, sur le coup. Couvre pas bien son poteau. Et effectivement, c'est la pause ici aussi. 1-0 pour le Brésil. Un Brésil qui, on le disait, Pierre, gère. Mais ouais. Attention quand même. Ouais, ils ont bien géré. Avec leur but marqué très rapidement, ils ont géré pendant peut-être 35 minutes, mais sur les 10 dernières minutes de la première période, elles ont été 100% paraguayennes. Voilà, le Paraguay a mis beaucoup plus d'intensité et qui a naturellement été beaucoup plus dangereux. Donc attention, il n'y a qu'un seul but d'écart entre les deux équipes. Si le Paraguay revient avec les mêmes intentions que celle montrée lors de la fin de première période, on pourrait avoir une fin de match un peu animée. Hein. Le Brésil, qui avait laissé filer aussi contre l'Équateur il y a une petite semaine, qui s'était fait surprendre à 2-0, qui avait laissé l'Équateur revenir à 2-1. Donc voilà, attention côté brésilien à ne pas s'endormir sur ses lauriers. Ah, parce que ce Paraguay-là peut être dangereux. Ouais, exactement. Attention à pas se laisser surprendre. Après, c'est pareil, on peut aussi se dire que probablement ce Brésil-là va accélérer, va réaccélérer à un moment ou à un autre. S'ils sont véritablement dans la gestion, comme ça semble être le cas, il y a un moment où ils vont réaccélérer, quoi. On peut se dire ça aussi. On peut se dire ça, ouais. Et là, ça peut faire comme vendredi, avec, je crois qu'ils mettent deux buts... Dans les cinq dernières minutes, voilà. ils ont même été dangereux très très rapidement dès le retour des vestiaires. Ils ont une grosse occasion et le but. Donc voilà, faudra voir quel Brésil on verra. Et c'est sûr que s'ils décident d'accélérer, là ça peut faire très mal. Ouais, exactement. À suivre donc en deuxième mi-temps, ça sera l'une des interrogations et ça sera l'une des possibilités de suspense hein, pour cette rencontre, si on en veut un petit peu du suspense. Je vous mets le classement avant la journée hein, parce que y a pas le résultat d'Uruguay n'est pas pris en compte dans ce classement là hein. C'est le classement avant la troisième journée. Brésil 6 points si vous voulez la mise à jour de ce classement. L'Uruguay compte 9 points maintenant et est qualifié pour le prochain mondial. On attend pour l'instant, à l'heure qu'il est, le Brésil compte 9 points aussi hein, et puis vous voyez sur le classement, c'est facile à comprendre maintenant, il est aussi directement qualifié puisqu'il restera 2 matchs à disputer derrière et en cas de victoire, ils auront 8 points d'avance sur le premier non qualifié, quel que soit le résultat de l'Équateur face à la Colombie. Et vous le voyez, le Colombie-Équateur qui va suivre possède un très très fort enjeu parce que la Colombie peut aussi quasiment se qualifier pour le mondial hein. Vous comprenez hein, faites les mathématiques, c'est assez simple hein. Il suffit d'ajouter 3 points à la Colombie, elle éliminerait presque de la course à la 3ème place l'Équateur. Ça serait une grosse perte parce que l'Équateur est le tenant du titre, même s'il est moins impressionnant qu'il y a 4 ans hein, l'Équateur. Mais ça reste une équipe quand même sérieuse. Elle est vue comment on va parler un petit peu de ce match qui va suivre, hein, qui sera le match d'après. On la redoute un peu côté Colombie, cette sélection équatorienne, ou pas tant que ça? Non, pas tant que ça, sincèrement. Hein, voilà, c'est pas un match qui fait peur. Voilà, c'est un tournant côté colombien. On se soucie surtout de la Colombie et il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à... Beaucoup de soucis à se faire déjà rien qu'avec la sélection Cafetera. Donc voilà, il n'y a pas besoin de se soucier de l'Équateur. Donc non, c'est surtout voilà, la Colombie qui est son pire adversaire, on va dire. Voilà, qui est capable de se trouer complètement, d'être totalement transparente, comme ils l'ont été sur la première phase face au Paraguay ou face au Pérou notamment. Voilà, donc on ne redoute pas plus que ça l'Équateur. Mais là où il est intéressant ce match, hein, et c'est valable pour les deux, c'est qu'il y a quand même une montée un peu en puissance hein, des deux sélections, parce que l'Équateur montre des choses beaucoup plus intéressantes sur l'hexagonale finale que ce qu'il avait montré sur le premier tour.
Même si, voilà, hein, y a aucun point, il y a deux défaites concédées. Mais il y a des choses beaucoup plus consistantes en termes de prestations qui ont été montrées par les Équatoriens. On va rappeler en termes de calendrier qu'après l'Équateur, la Colombie doit jouer le Brésil, le Venezuela. Donc dans l'absolu, elle est encore assez tranquille. On peut aussi s'imaginer qu'un Venezuela éliminé à la dernière journée, ça ferait les affaires de la Colombie. Mais attention, parce que l'Équateur, après l'Équateur, sur les deux premières journées, a perdu ses deux matchs, mais a joué les deux ultra favoris aussi. Donc voilà, hein, c'est pas... Il faut faire attention au calendrier, quoi. On a bien précisé, on l'a redit dans le 9-10, il y a deux groupes dans cet hexagonal, hein. Il y a Brésil et Uruguay qui vont jouer le titre, et les autres qui vont jouer les deux places pour le mondial. Hein. Exactement, ouais. D'ailleurs, l'Équateur, 1-1, il rate un péno à 10 minutes de la fin. Voilà. Et prennent un but exceptionnel. Le but de Luciano Rodriguez était quand même exceptionnel. Voilà, donc à voir. C'est pour ça que ça va être, à mon avis, un très très gros match ce soir. Et c'est le stade là commence vraiment à se remplir petit à petit. Donc ça va vraiment être à guichet fermé comme sur les deux premiers matchs. Donc, ça va être vraiment très 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 intense. L'Équateur qui a l'habitude de jouer en attitude en plus. Oui, oui, donc ah, lui pour être, le coup. Ça s'annonce bien. Ça s'annonce plutôt sympa, effectivement. Ça sera à 2h du matin, heure française. Parce que c'est comme ça, hein, les matchs commencent à 21h, c'est ça, hein. Oui, 21h, ensuite il y a un match à 23h et ensuite il y a un match à 2h. Le match de 21h, c'est tout le temps au Techo, hein, c'est ça, hein, Pierre. C'est ça. Et je vous avoue que je suis pas encore allé. Ah ouais. Je comprends pas. Non, j'ai pas. Non, pourtant la réalisation sur le Techo là, c'est la meilleure réalisation que j'ai vue jusque là dans ce stade. C'est vraiment nickel, c'est vraiment propre. J'ai pu voir à peu près qu'ils ont installé un dispositif, une caméra normale, une caméra télé sur un espèce d'échafaudage, ce qui fait que là, c'est beaucoup, beaucoup plus agréable à suivre qu'en championnat où c'est vraiment, t'as une caméra, vraiment, t'as l'impression que c'est un peu filmé comme au foot américain, sur la ligne des, même si c'est au milieu du terrain, t'as l'impression que c'est sur la ligne des 20 yards, des 30 yards, et donc tu te retrouves avec l'autre côté totalement ouvert et l'autre tu le vois vraiment vraiment fermé. C'est pas très très agréable à voir, mais là pour Sud-Américain, ils ont fait un effort. Ouais, c'est déjà ça, il faut le saluer, d'autant que le Techo fait partie de tes stades favoris, on est d'accord, hein. Ah ouais, ça va, magnifique. Le bateau pirate, ça c'est quand même assez exceptionnel. J'avais jamais vu ça en perso dans un stade de foot, mais bon, ça fait petit stade champêtre. On peut raconter, hein, pour ceux qui ne savent pas, ce qui est très particulier au Techo. Hein, tu peux peut-être raconter pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas l'habitude ou qui ne nous ont pas entendu en parler déjà. Ouais, c'est un stade déjà tout au sud de la ville. Donc c'est assez loin, hein, c'est assez loin de tout, on va dire. Et c'était un hippodrome avant, ça a été aussi un aéroport. Donc ils ont construit deux tribunes qui sont absolument pas synchronisées, donc qui fait qu'il y en a une qui est on va dire collée à la pelouse et l'autre qui est un peu penchée, on va dire, enfin un peu sur le côté. C'est collé à un parc d'attractions Mundo Aventura pour les connaisseurs de Bogota, donc c'est pour ça qu'on voit un bateau pirate faire des tours de temps en temps. Sans parler des vestiaires, on en avait. Et l'occasion de quand Bastien était quand on s'était vu quand il était venu avec Junior, il m'avait dit que les vestiaires c'était quand même assez scandaleux, c'était vraiment des vestiaires de district où tu avais un espèce d'immense banc, et tu avais même pas de casier, tu étais obligé de planter des clous pour accrocher les maillots. C'était vraiment assez champêtre, on va dire. Là pareil pour la salle de presse, hein, c'était en plastique. Ça faisait vraiment camping, avec la table en plastique, la chaise en plastique et les journalistes qui étaient un peu obligés d'être debout parce qu'il n'y avait pas de table et pas de chaise. C'est vraiment le Techo, c'est vraiment ambiance champêtre, ambiance foot district.
C'était pas celui que tu nous avais fait dans le tout premier mag? Si, si, c'est ça. Hein, même. On est d'accord. Hein. Voilà, c'est ça. Vous pouvez voir l'inside Tigres Deportivo Independiente. Et d'ailleurs, d'ailleurs, ce jour-là, c'était assez c'est marrant, parce que dans le Deportivo Independiente Medellín, on retrouvait notamment Eduardo Atuesta, voilà, qui est depuis parti en MLS et à Palmeiras aujourd'hui. Ouais. Alors, on a croisé des bons joueurs en Colombie. Hein. Ah, le problème, c'est qu'ils partent très rapidement. Ah, mais ça. Voilà. Et on fait la bise d'ailleurs aujourd'hui, Daniel Ruiz qui était annoncé hein, du côté de l'Europe. Et ça a été réglé, prêt avec option d'achat obligatoire. Je n'ai pas les conditions de l'obligation d'achat, mais c'est un prêt avec obligation d'achat pour Santos. Voilà. Le néo-international brésilien, néo-international colombien, pardon. Eh bien voilà, on va attendre le retour des deux équipes pour la deuxième mi-temps. On le rappelle, si vous nous rejoignez, juste un but à zéro à la mi-temps pour le Brésil face au Paraguay. Un Brésil qui a d'abord géré avant ensuite de commencer à subir quelque peu quand même. S'exposer, être en danger. On a vu Mikel sauver un petit peu comme d'habitude. Hein. Sauver un petit peu ce qui pouvait être sauvé côté brésilien. 1-0 à la pause, rien n'est fait. Le Paraguay est encore en vie alors qu'il est. Attention, danger. Il y a déjà eu un changement côté brésilien avec la sortie de Giovanni sur blessure remplacé par Stenio. Attention quand même, hein. Il y a potentiel danger. Hein. On n'essaye pas de créer un suspense, mais il y a danger. Il y a potentiel danger. Voilà, il n'y a que 1-0 et pour vous donner des choses, je ne vois personne se chauffer. À mon avis, il n'y aura pas de changement à la pause. Par contre, on a vu les Équatoriens venir, je pense, reconnaître le terrain. On a vu reconnaître la pluie. Donc voilà, il y a les Équatoriens. Alors que là, les joueurs, Mikael revient sur le terrain tout seul. Il va c'est peut-être assez, faire. Assez fou, hein, parce qu'il est. Il va faire la deuxième mi-temps tout seul. Il pourrait, ça. On est en train, c'est nous, de notre côté. Bien. De notre côté, on a le ralenti du but, hein, si vous suivez sur les différents streams. Voilà, profitez-en pour nous suivre, hein, que ça soit sur Twitch, sur YouTube, sur les différentes plateformes où nous sommes présents, les différents réseaux sociaux. Venez sur notre Discord. Vous allez voir que ça ne dort jamais sur le Discord. Hein. À tout moment, il peut y avoir quelqu'un qui vient parler d'un match. Ça parle pas mal de foot, évidemment, de foot Sudam, mais pas que. Il y a aussi de la place pour l'Asie et pour l'Afrique. Donc n'hésitez pas, hein, à nous rejoindre, à nous suivre sur ces différentes plateformes, à vous abonner si vous pouvez. Hein. C'est un des moyens de nous soutenir. Avant, il y avait le mag. Vous pouvez toujours vous les procurer. D'ailleurs, ils restent. Des magazines papier. Je vous donne un petit truc parce que vous avez le droit d'être là à minuit 30. Quelle heure il est ? Ouais, minuit 30. Je peux vous le dire, il y aura des offres spéciales. J'ai commencé à faire les comptes des derniers stocks qui restent de magazines. Et il y aura peut-être des offres. Il y aura des offres spéciales pour des achats groupés afin de finir ces stocks. Parce qu'on vous le rappelle, le magazine s'est terminé. Donc si vous voulez vous offrir de la culture foot. Eh bien, ça devrait pas tarder à être possible de manière sympathique. Et au pire, vous pouvez vous le faire avec les PDF qui sont encore plus abordables. C'est 4€ le mag, donc voilà, c'est pas foufou. Voilà, suivez-nous, vous verrez, vous aurez plus d'infos d'ici peu. Les deux équipes sont revenues sur le terrain. Je vais me préparer à relancer le chronomètre pour synchroniser le stream, pour que vous sachiez où j'en suis et que vous puissiez savoir si vous allez être en avance ou si vous allez être en retard sur moi. Tout en sachant que le monsieur que vous entendez dans le fond, avec son ambiance de stade qui est quand même très très remplie là, hein, pour le coup. Bien rempli, ouais. Et ouais, très très rempli. Et le soleil est tombé. Hein. Tu disais ? Le soleil est tombé. Hein, ouais. Sur Bogota, il faut savoir que le fait d'être au niveau de l'équateur, saison déjà, tout simplement, et c'est assez, assez dingue, hein. Ça fait presque un effet jour-nuit, à 18h30, poum, fermez les rideaux et à demain.
Allez, on a entendu le coup de sifflet vu du stade. Nous, on attend. Comme ça, je vais me synchroniser sur nous. Et vous voyez l'avance que Pierre a. Je crois que c'est en gros une vingtaine de secondes. À peu près. L'arbitre est en train encore de s'échauffer un petit peu. Je vais répondre à ta question, Red Le Rouge, dans un instant. J'attends pour synchroniser mon chrono. Voilà, je te confirme qu'il n'y a pas eu de changement à la pause. Ouais, exactement. C'est bien ce qui me semblait aussi. Merci pour la confirmation. Allez, faut y aller, monsieur l'arbitre. S'il vous plaît, voilà, que je puisse me synchroniser. Voilà. Ouais, c'est on avait vu personne s'échauffer, donc voilà, ça semblait quand même difficile d'imaginer des changements à la pause. Et alors, pour te répondre, Red Le Rouge, c'est reparti. Pour te répondre par rapport aux abonnements, normalement, tu ne dois plus être débité. J'ai vu que certains ont été débités en novembre dernier, c'est-à-dire en gros ceux qui étaient abonnés depuis le numéro 1. J'ai procédé à tous les remboursements, normalement. Fais très attention avec ça. C'était une histoire de paiement récurrent si tu as fait ça par PayPal. T'as été débité, normalement j'ai remboursé. Tu me confirmeras. Au pire, tu sais ce que tu fais. Tu m'envoies un message soit sur Discord, soit en MP sur Twitter, c'est ouvert. Tu me donnes ton compte. Tu me dis tu me donnes ton numéro de compte et ta commande et je te dirai si tu as été remboursé parce que je sais que j'ai procédé à une vague de remboursement il n'y a pas très longtemps pour tout dire parce que je me suis rendu compte qu'effectivement il y avait des gens qui avaient été débités en novembre avec des abonnements récurrents. Et justement j'en profite, pense à mettre fin à l'abonnement récurrent sinon tu seras à nouveau débité en novembre prochain, enfin en gros à la date anniversaire de ton truc. Donc fais très gaffe à ça. Pour l'avenir. Et normalement, j'ai fait la demande de remboursement, j'ai mis le motif et j'ai dit attention, arrêtez votre abonnement récurrent. J'ai dû faire ça il y a un peu moins d'un mois. Mais à vérifier, tu me dis tout et je te dirai si jamais c'est pas fait, j'irai voir. Tu me donnes le compte et j'irai voir sur le PayPal si le remboursement a été fait. Au pire, je te le ferai s'il n'a pas été fait. Pas de souci, n'hésite pas. Allez, on est à 46 minutes. En retrait pour Michael, long ballon vers l'avant, vers direct en touche. Et le ballon récupéré par les Paraguayens avec Diego Gomez, Mathias Segovia. On est revenu avec les mêmes tentations. Que sur la fin de première période, ouais. Oh, elle est bonne cette fois. Oh là là, Michael encore. Oh, oh. Incroyable. Quelle parade de Michael. Quelle parade. Un gros parade. Pareil, la flex, même complètement flex, hein, la barre rebondie, la détruite. Oh, ça coupe un peu chez toi, Pierre. On t'entend plus très bien. Allô? Oui. Vous me réentendez? Et donc, parade assez spectaculaire. Enfin, assez spectaculaire. La balle devant lui, il a des au-dessus de 30. Ah, la co est moins bonne, hein, là, Pierre. Je te l'avoue, on t'entend pas bien. Hein, ça a un côté robot, les mots sont coupés. On t'entend moins bien depuis 2-3 minutes. Est-ce que tu me réentends? Là, je t'entends, oui. À voir si ça tient. ouais, bah, je te confirme que ça tient pas. Hein. essaye de sortir et de revenir. Ah. Éventuellement. Ouais, j'essaie. Ouais, le corner à suivre, la tête au deuxième poteau, le poteau justement. Pour le Paraguay sur cette tête d'entrée de deuxième période. Cette tête de Gilberto Flores. Directement sur le poteau de Michael qui pour le coup était battu. Eh, attention Brésil, attention. Il y a danger. On l'a dit, il y avait danger sur cette fin de première mi-temps. Ils étaient mieux les Paraguayens et ils sont beaucoup mieux sur ce début. Et ils sont encore mieux sur ce début de deuxième période. Robert Renan, est-ce qu'ils vont essayer d'accélérer? Est-ce qu'ils vont réussir surtout à accélérer les Brésiliens? Mais là, grosse occasion, hein, ça fait quand même deux grosses occasions, hein, pour le Paraguay, trois même,
Parce qu'il y a deux belles parades, deux magnifiques parades de Michael. Et il y a ce poteau. Avec ce centre de Diego Gomez, deuxième poteau, il gagne son duel. Ah ouais, Michael est complètement battu et ils s'en sortent bien parce que le ballon revient dans les pieds d'Olmedo, me semble-t-il, mais pas tout à fait dans ses pieds. Il n'arrive pas à le contrôler, ce ballon. Sinon, ça aurait été extrêmement dangereux. Et ouais, ils sont bien là, les Paraguayens. Avec Gaoto qui écarte côté droit. Ouais, le ballon va être un peu long pour Matias Segovia. Je surveille si l'ami Pedro est de retour. Non, pour l'instant. Oh, la bonne pression de Diego Gomez qui va obtenir le coup franc. Attention. Faute d'Andrei Santos. Carton jaune pour le Brésilien. Le deuxième avertissement côté Brésil. Ça fait 2 hein, au niveau des avertissements. Et très très bon coup franc à venir pour les Paraguayens. Tiré par un gaucher. Ce ballon qui va plonger vers le deuxième poteau. La remise de la tête, la voici, elle est bonne. C'est revenu plein axe. Et on va se dégager côté brésilien, ou pas, parce que le ballon est tout de suite récupéré. Ballon mis par-dessus, ah, il a perdu les appuis. Et on se bat bien avec Quintana, le tacle à venir derrière. Et le ballon récupéré, ou pas. Si, récupéré par le Paraguay, j'ai cru qu'elle allait être contrée un temps. Ah, ils sont très très bien les Paraguayens sur ce début de deuxième période. Il va falloir arriver à le concrétiser ce temps fort. C'est la grande force hein, du Brésil jusqu'ici. Gérer ses temps faibles et gérer lui aussi ses temps forts. Mais là, ils sont un petit peu dans le dur, les hommes de Ramon Menezes. Et attention au contre quand même. Attention au contre. Avec ce ballon. Tout en accélération, tout en puissance. Et il va y avoir faute. Ouais. Elle va être sifflée ou pas? Si, elle va être sifflée la faute. Sur Vitor Roque. L'arbitre est équatorien. Hein. L'arbitre de la rencontre, Guillermo Guerrero. Alors, normalement, Pierre, je le vois. Est-ce que je l'entends? Est-ce que tu m'entends? Écoute, on t'entend. Bonsoir, Pierre, bienvenue. Très bien. Ouais, je sais pas pourquoi c'était un peu plus compliqué, mais. Enfin, si, je sais pourquoi, mais voilà, il y a eu vraiment une arrivée massive des journalistes, avec notamment voilà, des confrères qui se créent eux-mêmes hein, leur écran de contrôle. Donc, c'est. Ça prend beaucoup de bandes passantes. Voilà, c'est ça. Donc en gros, ils sont en train de mater le match en streaming aussi, quoi. Non, pas en streaming parce que tu sais que ici, voilà, les matchs sont disponibles gratuitement via une chaîne. Voilà, donc. Il y avait une belle occasion pour Andrei au deuxième poteau sur ce coup franc pardon de Biro. On sent que l'ambiance monte hein, quand même dans les tribunes. Hein. Ouais, là ça c'est vraiment bien rempli. Je dirais que c'est à peu près 50% là, du stade qui est rempli. Et on est à une bonne heure, 1h20 du coup d'envoi du match de la Colombie. Donc ouais, ça s'est vraiment rempli. Ouais, ballon dans les pieds des Brésiliens qui justement essayent de se sortir de. De leur mauvaise période, Vitor Roque, encore en puissance, il va buter sur... il a pris un mur. Il est tombé sur Servine. Il a pris un mur.
Il a demandé la faute, mais l'arbitre équatorien lui a dit de se relever. Et on a il saigne. Hein. Moi, je ne sais pas, je suis trop loin pour le voir, mais il a un peu de sang dans la bouche, pas beaucoup, mais un peu. Ouais, en tout cas, on a vu hein, sur les deux dernières actions les qualités de Vitor Roque, tout en puissance. Et c'était Flores qui l'a arrêté, et effectivement, il y va coude en avant. Hein. Tu vois, au début, je pensais que c'était un coup d'épaule. Non, c'est le bras. Hein. Il lui met le bras. Ouais, c'était sanctionnable. Hein. Donc, ouais. C'est un pénal. Ouais, il a l'air vraiment gêné. Là, hein. J'ai l'impression, Vitor Roque. Je pense qu'il a. Alors, il est debout, hein, parce qu'il est solide, le garçon, mais j'ai l'impression qu'il est un peu gêné à la vue du stade. Il a l'air un peu sonné. Allez, le Paraguay qui est à nouveau dans le camp brésilien. On va se dégager du côté des Brésiliens. Justement pour aller chercher Vitor Roque qui s'est retourné. Va-t-il parvenir à emmener le ballon? Non. Prise à deux sur l'attaquant brésilien et récupération paraguayenne à nouveau. On garde pas le ballon hein, côté Brésil dans cette deuxième période. On a été acculé sur le début de deuxième période, sur les 5-6 premières minutes. Et là, on le rend tout de suite. Hein. Ils sont dans le dur, les Brésiliens. On les avait rarement vus dans le dur comme ça. Hein. Ouais, sur la fin de la première période contre le Venezuela, ils avaient été dans le dur comme ça. Mais là, ça fait la fin de la première période et là, les 10 premières minutes de la deuxième où le Brésil est vraiment bougé. Et ils sont vraiment inquiétés hein, parce que le Paraguay est vraiment bien rentré dans sa deuxième période. Et attention côté brésilien parce que là on est plus proche de l'égalisation paraguayenne que du 2-0. Très clairement. Très clairement. Avec notamment cette tête sur le poteau hein, tout à l'heure. Et on a encore des armes hein. Côté Paraguay, on a Wilkes sur le banc. Ouais, parce que celui qui le remplace numériquement, Olmedo, pour l'instant, voilà. Hein. On le voit pas plus non, que ça. Frappe lointaine complètement dévissée, entre guillemets, de la part de Diego Gomez. Ouais, donc Olmedo, on l'a clairement pas vu depuis le début du match. C'est un match compliqué pour lui, hein. Vraiment. Vraiment, il touche très peu de ballons. Il faut le faire jouer contre l'Équateur, lui. Ah, t'as la ref ou pas? Non, j'ai pas la ref. Il y a un club équatorien qui s'appelle Olmedo. Un club de première div? Non. Non, ils y sont plus, je crois. Mais ils y ont été. Non, enfin, je crois pas, ils y sont plus. Non, c'est pour ça que ça me dit rien. Oh, ouais, ils y ont pas été longtemps, hein, mais en première div. Hein, mais... ouais, là, on est vraiment dans le dur physiquement côté brésilien. Il y a encore un joueur au sol. C'est compliqué. Hein, c'est compliqué pour la sélection brésilienne. Alors, c'est la piscine. Je sais pas, confirme-moi peut-être, t'as les images, hein, mais j'ai l'impression que c'est Arthur qui est au sol. Qui est sorti sur blessure au premier match, Arthur. Hein. Ouais. De l'hexagonale. Non, c'est Marlon Gomez. Ouais, c'est Marlon, c'est pas Arthur. Ouais, c'est Marlon. Avec son 8. 8. Ouais, exactement. Mais mine de rien, on est vraiment bougé, hein, le côté brésilien. C'est assez rare pour être souligné. Ouais. Et si tu veux une petite ref hein, sur Olmedo, ils sont champions d'Équateur en 2000. Ah ouais. Ah bah oui. T'es pas né. Ah bah non, bah attends mec, si. Alors déjà, si. si. Rappelle-toi, un an plus tôt, tu pleurais et t'appelais au complot anti-Marseille. Donc, t'étais né. C'est vrai. Rendez le titre, monsieur. Ouais, c'est ça. Jamais, monsieur, jamais.
quand vous rendrez ceux des années 90. Ouais, alors que là, il y a encore. On est vraiment, vraiment compliqué. C'est vraiment difficile. Hein. Côté présidence, ouais. On a l'impression qu'il n'y a, a plus d'essence dans le moteur. Et c'est confirmé. Un double changement là qui se prépare côté brésilien. Alors, je vais te dire, mais ouais, on a vraiment l'impression qu'il n'y a plus d'essence. On l'a dit, un calendrier infernal. Le Brésil qui aime très peu jouer en altitude. C'est. Alors, tu vas rentrer. Eh ben, il est là, Ronald. C'est lui, il avait annoncé tout à l'heure un peu trop tôt. Et c'est lui qui va rentrer. Ronald. Et le deuxième, c'est. Alors, j'ai pas encore vu. C'est pas très pratique. Il est. Et là, je peux pas t'aider parce que je les ai pas encore, hein, les changements. Ouais, c'est André hein, qui va rentrer. Voilà, Ronald et André, les deux, le 17 et le 13 qui vont rentrer. Vraiment, hein, c'est pas surprenant parce qu'on a vraiment l'impression que c'est un coup de mou hein, côté brésilien. Ouais, il y a eu encore une offensive paraguayenne hein, avec le ballon envoyé dans le cœur de la surface mais qui a atterri tranquillement dans les bras de Michael. Toujours propre, toujours impeccable et serein sur sa ligne pour l'instant. Ouais, et on se fait vraiment bouger. Là. Ouais. Ouais, vraiment, vraiment, côté brésilien, même dans les duels, on n'y est plus. Hein. Ouais, elle est bonne, cette balle de Robert Renan. Peut-être là, cette fois-ci. Avec Marlon Gomez qui a écarté côté droit. Stenio qui revient sur Marlon Gomez. André à ses côtés. Voilà, il va lui donner. Et on ne trouve pas la solution. On va revenir. Côté brésilien, on a passé l'heure de jeu 1-0 seulement pour les Brésiliens, vous le voyez. Et effectivement, on se fait bien, bien malmener avec des joueurs qui sont servis aussi dos au jeu. Ça aide pas. Et c'est bien joué de la part des Paraguayens. Attention à cette possibilité de contre. Le ballon qui a été mis dans le dos. Est-ce que Segovia va passer devant? Non, ça a été coupé. Est sorti par Patrick qui reste au sol. Pas la sensation qu'il ait été touché. Non, mais reste au sol. Hein. Et côté brésilien, c'est les deux Stelio hein, qui aura fait aller-retour. Incroyable. C'est de sa place, c'est Alexander. Voilà. C'est les deux. Et changement côté paraguayen, on l'attendait, on l'annonçait. Will qui va entrer. Wilke et Olmedo qui se lance. Voilà, comme annoncé en fait. Ouais, voilà. Comme annoncé. Comme espéré, j'ai envie de dire. Ouais, bah, on l'avait vraiment trop peu vu. Hein, Olmedo. On va peut-être avoir un changement tactique hein, côté brésilien parce qu'André Dominique, il me semble que c'est un peu plus un milieu axial. Hein. Ouais. À voir comment ça s'organise, mais. À voir. Et c'est confirmé, hein. C'est vraiment très très compliqué. Très très compliqué pour le Brésil. Et donc l'entrée d'Alan Wilk côté. Ouais. Paraguay. Bien. L'homme sans voyelle. Voilà. Il est incroyable son nom. Ouais, incroyable. Alors, j'ai discuté hein, vendredi avec le staff paraguayen et j'aurais posé la question sur Alan et il m'a dit voilà, même si ça s'écrit pas, voilà, c'est bizarre, ça s'écrit pas, mais faut prononcer comme s'il y avait un I au milieu. Et là, il y avait énorme occasion hein, pour le Paraguay avec cette tête plongeante. Ah, ouais. De. Il me semble que c'est. Ah non, c'est pas. C'est Quintana? Non, c'est pas Quintana, c'est Servin. C'est le capitaine qui est monté mettre sa tête plongeante. Ouais, il me semble que c'est Servin. Et il y a eu un gros frisson. Là, on l'a vu dedans. C'est assez incroyable. Mais ouais, son nom est fou et son histoire doit être aussi dingue parce qu'il doit avoir des origines anglaises, j'imagine.
Alors, on regardera ça. Tiens, on essaiera de creuser un petit peu. Je suis pas. On va surveiller Red Le Rouge sur le Brésil qui joue en 4-4-2. Je sais pas s'ils vont rester en 4-4-2 parce que vraiment, André qui est entré, pour moi, il est plus axial. C'est pas un ailier. Non. Et on va voir comment ils vont s'organiser parce que. On va voir. Hein. Parce que c'est pareil, Ronald est passé au milieu. J'ai l'impression qu'ils vont mettre Victor Roquet tout seul devant. Avec Biro à ses côtés. Je sais pas trop comment ils vont s'organiser là, les Brésiliens. C'est un peu, en plus, c'est un peu le bordel là sur le terrain, pour tout dire. Biro est côté gauche. Exactement. Voilà. Avec sa. Ça coupe de cheveux très David Luiz. Et j'essaye de voir parce que j'ai l'impression que Ronald est entré et est allé se positionner là où était Andrei jusqu'ici, c'est-à-dire à côté de Marlon Gomez dans l'axe. J'essaye de voir où est passé Andrei. Biro, il a quand même tenté une Riquelme sur Yepes. Hein. Voilà, faut le dire. Andrei, il est passé attaquant. C'est assez bizarre le positionnement. C'est un peu n'importe quoi là. Ouais, j'ai l'impression, peut-être pas attaquant, mais peut-être un peu plus numéro 10. Et effectivement, Biro et Roquet devant. Là, j'ai un peu l'impression que ça se passe comme ça. On est vraiment symbole hein, d'être vraiment dans le dur côté brésilien. On prend son temps pour jouer tout. Hein. Les touches, les coups francs. C'est vraiment le signe d'une équipe qui joue la montre, qui est un peu carbo et qui a besoin d'un deuxième souffle. On va mettre une sorte de 4-3-3 parce qu'on est un peu dans cet esprit-là, mais sans trop y croire, hein, pour tout vous dire. C'est plus un 4-4 de côté Brésil, je ne pense pas, vu le positionnement de certains. Donc on l'aura pas gardé, on va pas le garder, le 4-4-2. Ils étaient en 4-4-2 hein, jusqu'ici, les Brésiliens. Hein. Bah, c'est assez difficilement lisible. Là, c'est très franchement illisible. Pour dire les choses, je ne sais pas comment ils sont placés. Mais je pense que t'es pas loin de la vérité. Hein. Parce que là, j'ai l'impression, là, Biro, il est complètement côté gauche. André en 10. Ouais, André. André a l'air à droite. André Dominique a l'air à droite. André Santos est au milieu dans l'axe. Et Gomez et Ronald, ouais, c'est ça. On est en 4-3-3. Hein. On est passé en 4-3-3. Il reste 25 minutes quand même hein, pour le Brésil, pour essayer de... Bah, j'ai presque envie de dire tenir le score. Ouais, c'est clairement ça. Hein, parce que là, il y a des frissons un peu partout dans la défense brésilienne. C'est très, très compliqué de porter le danger sur les cages de González. C'est quand même... Oh, attention à cette possibilité. Ouh, on réclame quelque chose côté paraguayen. Je suis pas convaincu qu'il y ait quelque chose, justement. Non, je pense pas. Mais le bon paraguayen s'est levé comme un seul homme. Hein. Vraiment. Et ouais, attention, vraiment très très attention encore à ce ballon perdu hein, ou mal contrôlé par le milieu et la défense brésilienne. On n'était pas loin de partir en face à face. Oui, attention à ce ballon perdu. Il est encore récupéré par Andrei Santos. Je comprends pas le positionnement d'Andrei Santos. Je sais pas à quel poste il joue là. Je sais pas à quel poste il joue. Je pense que lui non plus. Ouais. Je pense que lui. Voilà. Je comprends rien à ce que fait le Brésil. Ouais, c'est vraiment compliqué. Hein. Même vu du stade là. Là, André, il est venu se positionner couloir gauche. Je sais pas ce qu'ils font. Vraiment, je sais pas ce qu'ils font. Mais comme tu le dis toi-même, j'ai pas l'impression qu'eux s'en rendent compte aussi. Parce que Biro joue plus bas que André Santos maintenant. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors que, vraiment, hein, côté brésilien. Là, c'est vraiment ça. Tenir le score, on a l'impression que c'est une petite équipe qui mène 1-0 face à une grosse et qui ferme le rideau à 20 minutes de la fin en essayant de tenir le score. Ouais, ça peut. On va pas tirer de conclusion trop rapide, mais quand même, hein, y a peut-être une petite baisse côté brésilien.
Une petite fatigue qui commence à... On l'a dit, hein, le rythme est dingue. Et cette fatigue-là, on la voit pas, hein, côté Uruguay. Hein. On la voit clairement pas. Et dans l'optique de cette fameuse finale Uruguay-Brésil, attention quand même. Ouais, attention aussi, puisque le Brésil jouera la Colombie jeudi. Hein, donc, oui. Attention. Attention, attention aussi. Et le ballon, il est monopolisé par les Paraguayens sur la deuxième période. Alan Wilk qui tente de retrouver Segovia. Il y a faute qui a été signalée contre le Brésil. J'ai pas trop compris, mais c'est pas grave. Je pense qu'il y a une obstruction. C'est l'arbitre assistant qui signale. Ouais. C'est vraiment... Ouais, mais justement, quand je le vois agiter son drapeau, je sais pas trop dans quel sens il va donner la faute, en fait. Donc... Mais bon, ça va donner un bon coup franc pour le Paraguay. Alors qu'il y a un petit parquage équatorien sur la droite, là. On vient de le voir à l'image. Écoute, moi, je ne le vois pas. Après, à droite des bancs. Ouais, c'est vrai. Mais il y a des banderoles Ecuador à droite. Sur la partie droite par rapport au banc, la caméra est derrière les bandes touches, donc elle doit être dans ta tribune. Ouais. Attention à cette tête qui va filer devant le poteau. Donc sur la droite, dans le virage, il y a un parquage équatorien. Ok. Ok. Bah écoute, moi j'ai du mal à le voir, hein. Mais écoute, je te fais confiance. Bah il y a des banderoles, il y a de grandes banderoles Ecuador. Hein. C'est possible. Et pour continuer sur ce thème, la grosse communauté uruguayenne, enfin grosse communauté, donc il y a une communauté uruguayenne et y compris qui vient au stade, hein, qui pousse. Ils étaient très nombreux encore aujourd'hui au Techo. Ils étaient déjà nombreux contre l'Équateur vendredi. Et évidemment, malheureusement, comme dans beaucoup de pays sud-américains, hein, il y a beaucoup de Vénézuéliens en Colombie. Hein. Voilà, la migration vénézuélienne en Colombie se chiffre en millions. Hein, donc voilà, il y a aussi... Ouais, et puis, je te coupe deux secondes. Pour préciser, le malheureusement, c'est parce que c'est lié à la situation sociale au Venezuela qui a poussé les Vénézuéliens à quitter en masse le pays. Hein, c'est le sens du malheureusement, hein, c'est ce sens-là. Hein, c'est ça, bien sûr. Voilà, pour en avoir parlé avec beaucoup de Vénézuéliens qui travaillent, voilà, c'est pas rare de trouver des Vénézuéliens dans les restos, etc., ils te disent que la situation est vraiment dramatique et ils nous racontent des scènes où c'est tout simplement impossible de se trouver à manger, on va dire, correctement, de bonne qualité, où ils utilisent tout simplement des bolivars comme papier toilette, hein, on va le dire clairement, parce que cette monnaie vaut plus rien du tout aujourd'hui, donc... Ouais, c'est pour ça que malheureusement est bien sûr dans ce sens-là. Hein. Voilà, ils sont obligés tout simplement de migrer parce qu'ils n'ont pas le choix. Et donc ça chiffre vraiment en millions. Ah, il y en a vraiment, tu le disais, hein, ils ont migré vraiment partout en Amérique du Sud. Hein. On a eu au Brésil, hein, en Argentine là, pendant la Coupe du Monde où j'étais. On a eu plusieurs chauffeurs de Uber qui étaient vénézuéliens, hein, concrètement. Donc voilà, il y a eu une migration massive des Vénézuéliens qui ont fui des conditions absolument dramatiques. Ouais, c'est... Bon, et en plus, là pour le coup, en Colombie, vous en avez beaucoup plus, c'est parce que c'était entre guillemets plus simple. Il n'y avait pas eu un moment où ils avaient plus ou moins fermé la frontière ? Si, ils ont fermé la frontière, mais... Et d'ailleurs, elle a réouverte il n'y a pas longtemps, mais bon, c'était la frontière à Cúcuta. Voilà, Cúcuta, c'est vraiment la ville frontière. C'est un peu comme Strasbourg. Voilà, vous traversez le fleuve, vous êtes dans l'autre pays. Donc, voilà, c'était assez simple, entre guillemets. Et il va y avoir un nouveau double changement brésilien. Voilà, rien à voir avec le Venezuela, mais... Donc, ils avaient fermé cette frontière-là et on va se le dire très sincèrement, c'est aussi compliqué de tout contrôler parce que tu peux très très facilement passer d'un pays à l'autre. Il y a des points non officiels, plus évidemment des groupes illégaux qui profitent de ça et qui font
et qui font passer tout simplement les personnes d'un pays à l'autre. Voilà, c'est compliqué, très très compliqué et dramatique même ce qui se passe au Venezuela. Ouais, ça a chauffé. Ça a chauffé un petit peu entre Alan Wilk et Ronald. Hein. Ouais. Changement par Paraguay, il y a un Quintana qui sort. Et c'est offensif. Hein. C'est Pereira qui rentre. Et double changement aussi côté brésilien. On va changer les hommes de devant. Victor Roque sort. Voilà. Et Piro sort aussi. Voilà, il était prêt. Hein. Et pour les entrées, il y a Pedrinho qui est rentré. Et Renan. Voilà. Les deux entrants côté brésilien. Voilà, on le rappelle, hein, Pedrinho qui a 16 ans ou 17 ans. 16 ans, c'est un U17. Ouais, c'est un U17. Voilà, il a. On voit, il est tout frais là, d'ailleurs. C'est vraiment un petit gabarit. Et on est entré dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Qui sont les deux changements, Biro et Victor Roque? Ouais, les deux sont sortis. Parce que Renan qui est entré, c'est pareil, hein, profil défensif, non? Bah écoute, il a l'air de se mettre en pointe. Hein. Ah non, c'est un attaquant. Voilà. Je me suis trompé. Ouais. Ouais, ouais. C'est Renan, ouais, ouais. Et c'est un beau gabarit d'ailleurs. Ah oui, oui, oui. Il fait presque penser là de loin à Douglas Costa. Oh, c'est plus grand. Hein. De physique, j'ai l'impression, ouais, ça a l'air d'être un peu plus grand, mais ça a l'air de muscle. Je vais aller regarder. Ou presque Hulk. Un petit Hulk. On est sur du 1,88 hein, pour le bonhomme. Ça a l'air d'être surtout une belle bête de muscle. Hein. Il a l'air de faire 1,88, 86 kilos d'après l'affiche. Et c'est pas 86 kilos de gras. Hein. Ah non, non, c'est une belle bête. Hein. C'est une belle bête, mais en tout cas, voilà, côté brésilien, on a changé vraiment offensivement. On les voyait plus beaucoup, hein. Ni Roque, ni Biro. C'était compliqué. C'est vraiment ça. Hein. Côté brésilien, on va essayer de garder le 1-0. On a beaucoup de balles. Hein. Je pense qu'ils n'ont pas cadré une frappe de la deuxième période. Je n'ai pas le souvenir, en tout cas. Je n'ai rien noté sur ma fiche. Donc, je pense pas qu'ils aient cadré quoi que ce soit. Brésil, deuxième mi-temps, non. Ils ont eu une occasion par... une occasion, non. Un ballon que André aurait pu prendre au deuxième poteau. Et je crois que c'est à peu près tout. Hein. Ouais, c'est vraiment dingue. Hein. C'est la première fois qu'ils se font bouger aussi longtemps. Ouais, exactement. Ouais, bien récupérer ce ballon. Attention, parce que là, il est récupéré au parler brésilien. Et non, hein, tout de suite, le contrôle raté. Et la balle récupérée par le Paraguay. Et Diego Gonzalez qui protège et qui peut ouvrir côté gauche avec Alex Cantero. Diego Gonzalez qui a pris une boîte et qui va rester au sol. Il reste 13 minutes dans ce match. Sans compter le temps additionnel, 12 minutes, sans compter le temps additionnel. Ouais. Incroyable. Il y a, je ne sais pas si tu l'as vu, mais il y a Servin qui est venu demander à son coéquipier de se relever. Et il s'est fait envoyer bouler. Ouais. L'autre est furax en disant « C'est bon, quoi. J'ai mal. » Ouais, ça bah côté paraguayen, on pourrait presque avoir des regrets. Hein, c'est pour ça. On est en train de se dire qu'il y a un coup à faire. Hein. Face à ce Brésil-là. Et c'est surtout ce qu'on disait dans ce double championnat qui se joue sur l'hexagonale, avec normalement Brésil et Uruguay qui sont devant et les autres qui s'entre-déchirent. Beaucoup peuvent miser sur une défaite face au Brésil. Celui qui va prendre des points face au Brésil va se mettre bien hein, dans la course à la Coupe du Monde. On se rappelle que le Paraguay, par exemple, s'est qualifié pour l'hexagonale en faisant ce qu'il fallait face à l'Argentine, par exemple.
Donc ils n'ont pas renversé des montagnes, hein, le Paraguay sur le premier tour. Ils ont montré des choses intéressantes, mais ils ont battu les deux plus faibles du groupe, hein, l'Argentine et le Pérou. Ils ont fait le taf. Ouais, c'est ça. Et le ballon, il a fini au deuxième poteau. Donc attention, hein, si le Paraguay venait à aller prendre un point face au Brésil, ça peut mettre une petite pression sur les autres. Je rappelle que le Paraguay n'a pas battu hein, le Venezuela, mais n'a pas perdu. Donc voilà. Bon, derrière, il leur reste quand même Uruguay et Équateur à jouer. Hein. Oh, et attention, parce qu'il y a une énorme occasion pour le Brésil, peut-être le centre en retrait. Le voici, la parade d'Andrel González. La voilà, la parade que tu réclamais du portier paraguayen. Ah ouais, ouais. Première occasion, hein, qui est venue sur une grosse, grosse erreur de la défense paraguayenne. Et on disait, hein, belle bête, hein, le Reynal, je ne sais pas si juste avant, tu as vu, il était au duel, le défenseur paraguayen a volé de 3 mètres. Et il y a corner pour le Brésil. Ça va leur faire du bien, ce corner en fin de partie. On prend son temps du côté de Pedrinho pour le tirer. La montée de Ronald, de Robert Renan, de Jean Pedroso, ou Jean pour les intimes. Surveille peut-être Ronald. Hein. Est-ce que tu n'es pas en train de me spoiler là? Et si? Non. Et si? Parce que Ronald, il vient de mettre le deuxième. Ouais, il est monté plus haut que tout le monde dans la défense paraguayenne. Et voilà, le suspense est terminé. Mais vraiment, ce Brésil chirurgical. Hein, parce que là, incroyable. Là, ils viennent d'enchaîner leurs deux situations de la deuxième période. Et il y a une grosse occasion et un but. C'est vraiment, c'est un coup de massue, hein, sur la tête. Mais on va même le dire, le Brésil a mis deux buts avec quatre occasions dans le match. Hein. Il y a le poteau de Biro, la frappe à l'instant d'Andrei, qui est la première frappe cadrée de la deuxième mi-temps pour le Brésil. Et le reste, ce sont deux buts. Un sur coup de pied arrêté et un sur un centre en début de match. Tu as dit chirurgical, c'est exactement ça. C'est d'une efficacité redoutable. Hein. Ah ouais, parce que là, ils ont vraiment été bougés toute la deuxième période. Et ils arrivent à se mettre à l'abri, mine de rien. C'est sans Victor Roque, sans Biro sur le terrain, c'est vraiment chirurgical. Voilà, ça va être très 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 compliqué, hein, pour le Paraguay. Ah bah là ouais, c'est mauvais. C'est très compliqué pour ce match. Ça va être plus ou moins fini pour ce match. À moins que, on ne sait jamais. Hein, mais bon, voilà, ça sent pas très bon pour nos amis paraguayens. Il va leur rester à disputer leur championnat face aux autres. Le problème, c'est que, je le disais à l'instant, hein, avant-dernière journée, c'est l'Uruguay. Dernière journée, c'est l'Équateur. On va voir ce que fera l'Équateur tout à l'heure contre la Colombie. Hein. En fonction du résultat de l'Équateur, ça peut changer des choses. Parce que si l'Équateur perd, le Paraguay restera devant l'Équateur en attendant, à deux journées de la fin. Donc voilà. Oh, attention à ce ballon perdu par Ronald. Oh, le petit pont derrière, il a récupéré le centre au deuxième poteau. Il s'est jeté. Et c'est parti dans les nuages. C'était compliqué quand même, hein, pour Diego González d'aller chercher ce ballon. Ouais, c'était en bout de course. Hein. Vraiment compliqué de la rabattre. D'un Diego à l'autre, de Gomez à González. Ouais, et j'ai l'impression que de toute façon, Mikael était quand même pas battu. Hein. Il était dessus. Mais c'était peut-être la dernière chance paraguayenne dans cette action. Ouais, c'est fort probable, cette histoire. Le long dégagement de Mikael. On va chercher le pivot de cette équipe. Oh, le monstre. Renan. Ouais. Ah, c'est vraiment un monstre, hein, physiquement. Moi, physiquement, je le trouve très impressionnant. Ouais, on est d'accord. Très, 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 très impressionnant. Ouais, je sais pas quel âge il a, mais. Bon, ça doit être du 19, hein. Ça doit être 18, 19 ans, mais bon, c'est un sacré bébé. Hein. Janvier 2003, 20 ans.
31 ouais. janvier 2003. Il y en a un qui a du gaz, hein, qui lui est beaucoup plus jeune, qui a 16 ans, c'est Pedrinho, c'est, il a du gaz. Hein. Vraiment. On voit que il va très très vite hein, sur les appuis. Et il va y avoir alors, trois changements. Ouais, c'est bien ça, trois changements côté paraguayen, les trois dernières cartouches. Trois ? Ouais. Ah oui, c'est ça, ils en ont fait deux. Ah oui, je comprends. Oui, oui, c'est ça. J'avais l'impression qu'ils en avaient fait déjà trois, mais c'est pour ça. Le centre à venir, la tête d'Alan Wilk et Michael. Il y a Sanabria hein, qui va rentrer. Et avec son numéro 20, il y a Rolon avec son numéro... 11. Non, son numéro 23. Ah, Luis Rolon, non, pas Leonardo. Non, Luis Rolon. Et le dernier qui est prêt, c'est... c'est Cabanas qui va rentrer pour les trois changements avec son numéro 21. Ah, quand tu t'appelles Cabanas et que t'es paraguayen... Ah ouais, t'as un peu de pression. T'as un peu de pression, ouais. Un petit peu quand même. Hein. Ça doit pas être évident à porter, mine de rien. Parce qu'il y en a eu deux légendaires quand même. Hein. Des Cabanas, Roberto et ouais, Salvador. Et pendant ce temps-là, sur le banc paraguayen, on n'est pas très content des décisions du trio arbitral équatorien. Il y a un carton là qui vient d'être distribué. Alors, qui sort ? Núñez sort, ça c'est sûr. Et Gomez sort. Aussi. Et qui s'y fait ouais alors c'est un peu planté là notre ami le quatrième arbitre, j'ai l'impression qu'il a indiqué deux fois le même changement. Retire le numéro 14, Nelson Gauto. Ah, c'est voilà, c'est Gauto qui est sorti également. Retire le numéro 8, Diego Gomez. Ingresse le numéro 20, Tobias Sanabria. Voilà. Pour les changements, Diego Gomez pour Tobias Sanabria. Et Luis Rolón pour Nelson Gauto. Ouais, je pense plutôt que Rolón va prendre la place de Núñez hein, sur le terrain. Ouais, c'est... Parce que c'est plus un défenseur, Rolón. Hein. Ouais, c'est un peu ça. Bah, de toute façon, j'ai l'impression que l'arbitre, il a fait les changements un peu. Voilà, il a appelé les numéros pas au hasard, mais pas forcément poste pour poste. Alors que je vais regarder, j'imagine que les compos du match sont tombés. J'essaie de voir si la compo colombienne est tombée. Ah, il reste 2 minutes ici. Voilà. Et info transfert qui est assez surprenante d'ailleurs en Colombie. Ça vient de. Enfin, c'est tombé là pendant le match. Le Jim qui fait revenir et qui fait sortir de sa retraite Jackson Martinez. Non. Si, Jackson Martinez, voilà. Incroyable. Magnifique. Ah non, justement, qui était en négociation et qui n'a pas trouvé. Pardon, je l'ai un peu vite, mais il était en négociation avec les dirigeants et il n'a pas réussi à trouver un accord. Ah, mince. Ah, tu m'as fait m'enflammer là. Ah ouais, mais moi aussi, hein, j'ai cru parce qu'il était vraiment, c'était dans les tuyaux. Et finalement, il n'a pas réussi à se mettre d'accord, mais voilà, il avait cette possibilité-là de revenir. Incroyable quand même, hein, Jackson Martinez, cette histoire-là, cette carrière.
Ouais, alors que je sais pas de ton côté, mais moi je l'ai pas vu encore la compo le 11. Voilà. Si, c'est bon, je l'ai sous les yeux. Non, je l'ai pas moi. Ouais, moi je l'ai sous les yeux. Il y a quelques changements. Enfin, il y a un changement. Enfin, il y en a un par rapport au match face au Paraguay. C'est à droite et c'est pas surprenant parce qu'il était. Sous le coup d'une suspension, c'est Juan Rosemina qui prendra place dans le couloir droit, le frère de Yeremina. Le frère de. Et il me semble que son frère était venu le voir au Révélo. Ah, c'est possible. Ouais, il me semble. On a réclamé le penalty sur Alan Wilk. Il l'aura pas. Il me semble qu'il était venu en tribune parce que ça s'était agité sur le Colombie. Je sais plus, c'était le match qui était à Comores, Japon. Je sais plus. J'allais te dire Comores comme ça, mais je suis pas sûr. Voilà, en tout cas, voilà, les joueurs du Deportivo. 5 minutes de temps additionnel. C'est beaucoup, 5 minutes quand le match est plié. Voilà. Ah oui, parce que là c'est plié hein, depuis le 2-0. Voilà. C'est plié, il y a vraiment plus beaucoup d'espoir côté paraguayen. Mais qui pourraient avoir des regrets, vraiment, on le dit, parce qu'ils ont eu les balles hein, d'égalisation. Et ils se sont fait vraiment poignarder sur une erreur individuelle. Hein. Le deuxième but part d'une erreur de la défense paraguayenne, une erreur de relance. Et derrière, ça amène l'action, le corner, et sur le corner, le 2-0. Voilà. On pourra vraiment avoir des regrets. Hein. Ouais. On pourra avoir des regrets, justement, mais c'est toujours la même histoire, hein, cette gestion des temps faibles et des temps forts. Et puis en plus, alors, toi, je sais pas si tu as eu l'info, mais nous, on l'a eu hein, à la télé. Et c'est assez symbolique, quand même, de ce qu'a été le match pour le Brésil. L'homme du match est Michael. Hein. Donc voilà, c'est assez symbolique aussi de la difficulté qu'a éprouvé le Brésil sur ce match. Son gardien est élu homme du match parce qu'on l'a dit, il a été clé dans les moments où il le fallait. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, parce que c'est pareil, hein, l'autre jour, sur le match d'ouverture, à 1-0, il est décisif. Quand ça devient un petit peu dur pour le Brésil, sur le temps faible brésilien. Et une fois de plus, là, ce soir, le temps faible a été long quand même hein, pour le Brésil. Je ne sais même pas s'ils ont connu un temps fort dans le match, véritablement, le Brésil. Bah, au début de match, quand même. Bah, ils ont bien débarré le match, mais après, ils ont très vite... On le disait, ils contrôlaient le match, ils géraient, quoi. Mais c'était pas non plus une domination exceptionnelle, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai. Mais il contrôlait, ça c'est clair, il contrôlait le match. Reprise contrée, corner pour le Paraguay, 92 et 22 secondes. Ouais, mais c'est pas une surprise, hein, Michael, homme du match d'ailleurs. Ouais. Ouais, c'est ce que je viens de dire. Ouais, voilà, donc on est d'accord là-dessus, ouais. Ouais, clairement. Faut qu'il arrête là, l'arbitre, parce que les Brésiliens là, ils sont morts. Hein. Du temps additionnel par terre, ouais. Et puis voilà, ils vont tuer le chrono. Après, en même temps, il y a 2-0, bon, c'est fini là. Voilà. Là, ça va discuter dans la surface. Mathias Segovia qui attend pour tirer son corner. Le voici, son corner du pied gauche. Ah, il est bien tiré. Elle revient dans la surface. On s'est dégagé. Récupération. Est-ce qu'on va tenter la frappe? Oui, et on va l'envoyer. Sur la lune, et encore un Brésilien au sol. Voilà. Magnifique. Ouais, il a presque envoyé dans les tribunes. Alors, je pense qu'il a failli remporter le concours du jeu lobe les tribunes. Hein. Ouais. Même si elles sont loin quand même. Ouais, elles sont un peu loin, c'est ça le problème entre guillemets. Il faut savoir que le camping va bientôt être rénové. Hein. Voilà, il y a des projets, donc il va être rénové. Il est quand même très très vétuste, hein, on va pas se mentir. C'est un stade qui est très, très vieux, tout simplement, hein, qui date des années 50. Voilà, même s'il a eu quelques rénovations, c'est un stade vraiment... Mais rénové vraiment dans quel sens ? Ils vont changer les tribunes, casser des choses ou...
Je pense qu'ils vont, ils vont tout raser et tout reconstruire. Hein. Ah ouais ? J'ai vu quelques projets. Ouais, j'ai vu quelques projets. En tout cas, ça avait l'air. Je vois pas comment ça pourrait être autrement sur les images que j'ai vues. Et la question qui fâche, qui finance ? Je pense que c'est la ville, hein, puisque le stade. Le stade appartient à la ville. Ouais, tu vois, IDRD. IDRD Bogota, hein, si vous voyez quand les tribunes sont vides, par exemple en début de match, on voyait un peu, c'est Instituto Distrito de Recreación y Deporte, hein, c'est entre guillemets, voilà, c'est fini, c'est entre guillemets la partie des sports tout simplement de la ville, voilà, qui possède les installations, toutes les installations sportives, dont le camping, et à mon avis, c'est eux qui vont payer, hein, puisque voilà, c'est le stade appartient à la ville tout simplement. Et ça voudrait dire que les deux clubs résidents iraient au techo pendant les travaux ? Il n'y a pas de choix, en fait ? Ou il y a d'autres possibilités ? Ouais, c'est ça. Bah, y aura l'autre possibilité, ce sera aller jouer à Tunja, qui est à peu près, c'est à 1h30, 2h de Bogota, quand tu sors de la ville, évidemment, parce que ça, le temps de sortir de la ville, c'est compliqué. Mais voilà, ce sera les deux solutions, soit aller jouer à techo, soit aller jouer à Tunja. Ben écoute, on suivra ça peut être intéressant. Tu vois, faudra peut-être qu'on en parlera de ce projet pour voir ça. C'est assez rare, hein, donc voilà, on verra. En tout cas, là, le camping s'est bien rempli. En tout cas, là, c'est fini dans ce match. Je vous mets le classement avant la journée. Je vais vous rajouter 3 points au Brésil, 3 points à l'Uruguay. Vous comprenez que ces deux-là vont continuer à se battre pour aller chercher le titre dans ce Sudamericano avant le match de la Colombie face à l'Équateur. Ils ont 6 points d'avance sur le 3e à 2 journées de la fin. Si la Colombie ne gagne pas, c'est clair que la victoire finale se jouera entre ces deux équipes-là. Ce qui est certain, c'est que les deux vont au Mondial, c'est sûr, ils ont validé leur billet, même s'il n'y avait pas un grand suspense, ça, on ne va pas se mentir. on ne va pas vous inventer un suspense qui n'existait pas, il n'y en avait pas. On savait que Brésil et Uruguay iraient au Mondial tellement ils étaient au-dessus dans ce Sudamericano. Il va rester un match dans cette journée. Je sais pas si il y a pas grand-chose à dire, hein, sur ce match. Enfin, pas grand-chose si, en fait, parce que le Brésil a quand même été malmené dans ce match face au Paraguay. On les a rarement vus malmenés sur une aussi longue période, hein, en fait, Pierre. C'est ça. Ils ont souffert vraiment toute la deuxième période et ils marquent dans les 10 dernières minutes. Donc c'est vraiment le plus mauvais match, hein, on va dire, de la sélection brésilienne de Sud-Americano et de loin. Et puis on les voit. Là, il y a les GS ne trahissent pas. Hein. Les Brésiliens sont vraiment affalés sur la pelouse. On a vraiment l'impression qu'ils ont puisé. Et ça va être intéressant dans la lutte pour le titre, ou plus. Et même d'ailleurs, la lutte pour le titre, si jamais la Colombie vient à battre l'Équateur, elle sera concernée par cette lutte pour le titre parce qu'elle joue le Brésil à la prochaine journée. Et si le Brésil accuse le coup physiquement, ce qui a l'air d'être le cas, on verra, hein. Mais si le Brésil venait à accuser véritablement le coup physiquement, attention, il peut y avoir danger pour le Brésil et ça peut donner quelques espoirs à la Colombie. Hein. Ouais, ça peut surtout donner quelques espoirs à l'Uruguay. Hein. Aussi, ouais. Parce que eux pour le coup, pour l'instant, on les voit pas vraiment dans le dur. Hein. Non, ils ont pas souffert, hein, cet après-midi face au Venezuela. Alors que là, si vous entendez, voilà, c'est la Colombie qui rentre ses chaussures. Hein. Mais c'est surtout du côté de Uruguay, hein, qui pourrait faire la belle affaire et vraiment profiter de cette baisse de régime côté brésilien, vraiment. Parce que ouais, ils ont vraiment, vraiment puisé dans les machines aujourd'hui. Et il n'y a pas de secret. D'ici jeudi, ils pourront difficilement faire le plein d'énergie. Ouais, exactement. Et bien voilà, on va en rester là sur cette soirée sud-américano. On va pas attendre le match de la Colombie. Je vous avoue que la journée a été un peu longue personnellement. Donc je suis pas sûr d'aller jusqu'au bout du match. Donc je préfère assurer le coup. Voilà, la journée a été chargée. Il y avait des trucs à gérer. Et voilà. Et puis on va laisser Pierre vivre son match intensément avec la Colombie. Sortir son maillot, son plus beau maillot, hurler sur l'hymne national.
Voilà, Colombie-Équateur, vous retrouverez évidemment demain le compte-rendu de cette journée de Sudamericano sur le site. On se retrouvera pour la prochaine session de Sudamericano. Le prochain, c'est jeudi, il me semble. Je vais vérifier rapidement. Ouais, c'est jeudi. Donc, on se fera la session. On fera probablement pas le match de 21h, mais je pense qu'on prendra l'antenne pour les deux matchs de la fin de journée. Hein. Concrètement, on va laisser passer le match du Techo. On va se faire les matchs du Campin. Uruguay-Paraguay. Et là, je pense qu'on fera Colombie-Brésil, pour le coup, jeudi. Surveillez aussi, parce qu'on se fera peut-être un live Libertadores qui démarre la nuit prochaine, je crois. Ouais, demain. C'est ça, demain. Elle démarre demain. Je suis un peu paumé dans les jours, mais oui, elle démarre dans la nuit prochaine avec Huancayo National, le national paraguayen. On se fera peut-être le duel national, le duel de national entre Potosi et El Nacional qui a lieu dans la nuit de mercredi à jeudi. On verra, vérifiez, suivez sur les réseaux sociaux, suivez les annonces éventuelles aussi sur notre Discord. Voilà, vous avez l'habitude, vous connaissez les lieux et vous connaissez nos usages. On va donc en rester là. Je vais te remercier, Pierre, de m'avoir accompagné et je vais te souhaiter bon match pour la Colombie. Bah, écoute, merci, hein, merci à toi et merci à tous de nous avoir suivis. Et puis on se dit à jeudi. Exactement, on se dit pour le Sudamericano à jeudi. Merci donc à vous tous qui avez été présents dans le chat, merci à ceux qui écoutent le replay, parce que je sais qu'on m'a demandé de mettre les replays sur YouTube, donc je les mets, les replays des soirées de Sudamericano, et en plus si vous avez par exemple Fanatis, vous pouvez voir les matchs en replay, donc vous pouvez vous amuser à tout mettre ensemble. Bref, merci à vous tous de votre fidélité, on va vous souhaiter bonne nuit, et on va vous donner rendez-vous donc plus tard dans la semaine pour d'autres lives. Probablement demain, probablement dans la nuit de mardi à mercredi. Non, dans la nuit. Oui, dans la nuit de mardi à mercredi. C'est ça. Non, c'est. Je sais plus. Je suis paumé. Bref, voilà. Le duel DL National. Regardez les dates. Attendez, je vais revérifier comme ça. Je ne dirai pas n'importe dans quoi. Dans la nuit de mercredi à jeudi. Voilà. Merci. J'étais paumé. Tu vois, c'est la fatigue qui arrive. Au mieux que je m'arrête là, hein, parce que sinon, ça va être terrible la suite. Dans la nuit de mercredi à jeudi, peut-être le duel de National. On ira à Potosi en plus. Ça va être super. À 12 000 mètres d'altitude, ça va être génial. On restera en altitude. Jeudi, soirée Sudamericano. Dimanche soir, River Argentinos. Voilà pour les lives de la semaine qui sont probablement programmés. Bonne nuit à tous et à très très vite sur les différentes plateformes de la planète Hello. Salut à tous.